ajoute de points à l'ordre du jour. Jean-Marie Champois nous lira et nous portera à notre vote une motion de soutien aux agriculteurs. Je vous parlerai d'une demande de subvention exceptionnelle pour la fête départementale de l'agriculture terre. Voilà, qui a lieu cette année sur notre communauté de communes en Hautefort, terre en fête. On en rajoutera une adhésion de principe au SDE concernant l'éclairage public dans les zones d'activité. Et je vous parlerai en début de dossier d'un projet qui pourrait avoir lieu sur notre territoire s'il y a des mairies intéressées. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est les orientations budgétaires comme dans toutes les collectivités. Moi, je vais dire quelques mots en introduction sur ces orientations. Puis Roland Moulinier et Nicolas Harel développeront nos orientations, nos projets. Donc jusqu'à présent, bon, les différentes commissions, que ce soit commission des finances et commission assainissement, se sont réunies à plusieurs reprises pour réfléchir sur cette préparation budgétaire, ce qui a permis de construire une feuille de route à travers l'outil qui... une politique, ce n'est pas un budget, mais une politique se fait à un budget. Et j'entends bien rentrant sur France Info les spécialistes nationaux des finances qui s'inquiètent quelque peu de l'état des finances dans notre pays et qui prévoient au-delà des 10 milliards de réduction qui vont être imposés à tout le monde pour cette année, plus de 20 milliards l'année d'après. Et tout ceci ne passera, certes, par une diminution des services à la population et des services publics, et certainement, ça ne suffira pas, il faudra une augmentation des impôts. Donc ça confirme nos orientations depuis plusieurs années d'augmenter les recettes sans toucher aux impôts. C'est la création de zones d'activité et l'implantation d'entreprises. Et c'est des choses qui fonctionnent. En ce moment, d'ailleurs, c'est plus les terrains et le foncier qui nous manquent pour les installer que les demandes d'installation d'entreprises, ce qui est quand même absolument extraordinaire. On a 3 hectares qui restent à Terrasson. Et sur ces 3 hectares, on a 3 entreprises qui les voudraient déjà. Alors, je n'ai pas dit que c'était signé, mais c'est quand même le paradoxe. Donc, notre cap que nous avions fixé, on va vous démontrer qu'on a suivi cette feuille de route et que les grandes orientations ont été tenues. Chaque année, la loi de finances réserve son lot de surprises. Cette année, ça n'y a pas manqué pour le bloc communal, que ce soit les budgets communaux ou les budgets communautaires. Le directeur, qui a un grand plaisir à travailler sur ces dossiers et à manipuler les chiffres, on lui accordera un petit plaisir supplémentaire tout à l'heure à nous les réexposer une nouvelle fois. De tout ce qu'il y a dans les finances. La communauté de communes, ce qui n'a pas toujours été le cas aujourd'hui, dégage des excédents, on va vous le dire, et les comptes administratifs permettront prochainement de démontrer que nous avons maintenu le cap malgré les difficultés. C'est-à-dire, concernant le budget principal, on souhaite, et ça va donc être un leitmotiv des orientations, garder le principe d'une épargne nette minimale de fin d'année de 250 000 euros. On a quelques-uns voté ou pas voté, on ne vote pas d'ailleurs, on braque des orientations budgétaires du département.
on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que le département, mais beaucoup d'autres collectivités étaient en grande difficulté. Nous touchons du bois. Pour l'instant, il y a toutes les raisons de penser qu'on va garder nos 250 000 euros d'épargne nette, malgré la consommation de 200 000 euros pour la politique habitat, sans augmenter les impôts et tout en gardant cette épargne. Les emprunts, on a fait un emprunt qui est neutre. En fait, on n'a pas du tout souscrit à des emprunts, si ce n'est l'entrepôt neutre qui correspond à la sortie du SND3 de nos communes, mais ce n'est pas un vrai emprunt puisque les annuités seront retenues sur les AC de ces trois communes. Et nous avons continué, je vous ai dit, à accompagner le territoire avec de nouveaux services, sans augmenter la fiscalité, sans toucher à notre épargne de 250 000 euros et sans emprunt. Et nous avons recruté quelques agents pour accompagner la politique des entreprises, pour la politique de l'habitat et les France Services. Donc on voit bien nos deux orientations principales qui vont se revoir dans les OB, développer l'économie, installer des entreprises, donc des recettes et les services à la population. Nous avons, c'est redit, dans ce que je vis, continuer à garder cette maîtrise financière au niveau de notre collectivité. Voilà pour le budget général. Par contre, il n'en est pas tout à fait en conclusion et en finalité le même cas pour le budget assainissement, bien que concernant ce qui était le budget prévisionnel d'investissement de départ, qui a été calculé par nous-mêmes, le vice-président Magagnan, accompagné des services du département, je ne dis pas toujours des biens du service du département, loin de là. Par contre, c'est vrai que le SATES nous donne satisfaction et nous accompagne. Et dans les simulations financières qu'il avait fait, il ne s'est pas trompé. Concernant le PPI, nous avons bien aussi un excédent qui nous reste, tout en ayant pris en compte les différentes opérations de ce PPI qui devait être équilibré par une redevance qui, pour 120 mètres cubes, s'approchait des 300 euros, entre 280 et 290, dans ces coûts-là. C'était un coût moyen puisque les redevances des communes variaient entre 180 pour les plus basses à plus de 500 pour les plus hautes. Mais nous avons tenu le cap. Or, un certain nombre de communes, petites, moyennes ou grandes, ont demandé des investissements supplémentaires qui n'étaient pas dans le PPI. C'est un PPI 2 qu'on appelle, et il y a un PPI 3 qui est, après l'étude des réseaux de terrasson, la possibilité, j'aurais même dit la nécessité, de mettre quelques millions sur le réseau d'assainissement pour éviter les eaux parasites. Et comme il y a des subventions importantes dans ce plan qui va se terminer de l'agence de l'eau, il nous paraît raisonnable de le faire. Ce qui veut dire que, je pense sous le contrôle de mes deux voisins de droite et de gauche, c'est 7 ou 8 millions qui s'ajoutent, c'est ça ? Ouais, 7 ou 8 millions qui s'ajoutent au PPI prévu et qui était équilibré par la redevance autour de 300 euros, 280 ou 290 pour 120 mètres cubes. Donc, si on fait des travaux nouveaux pour plus de 7 millions, il faudra bien des recettes. Donc, rien n'est tranché. Il y a quelques leviers sur lesquels on peut actionner et on le définira. C'est augmenter
de façon modérée et substantielle la redevance pour 120 mètres cubes, car on est de ceux qui ont une des redevances les plus basses, des collectivités qui sont autour de nous. On peut jouer sur l'endettement, mais si on le prolongeait au-delà de 30 ans, ça coûte de l'argent et ça ne rapporte pas grand-chose. Ça me paraît une hypothèse pas très intéressante. Mais de 20 ans passé à 30 ans est une des possibilités. Et après, peut-être là, diminuer notre fonds de réserve d'un certain montant, un peu, mais sans le ramener de façon trop basse, puisqu'il est là aussi de 250 000 euros pour l'instant, même plus, il est de 300. Et là, on peut le baisser soit à 200, soit à 150, qui évitera d'agir sur l'autre dernière possibilité, qui est le retour à des fonds de concours pour tous ceux qui auront demandé ou nécessité ou qui auront besoin d'investissement hors PPI 1. Voilà, donc là, c'était équilibré, ça a été démontré par rapport au premier PPI, mais comme on a ajouté pour 7 millions de travaux, il faudra bien trouver des recettes supplémentaires, et on n'a pas totalement statué là-dessus, mais je pense et nous pensons qu'il faudra jouer sur tous les leviers pour ne pas en privilégier un plus que l'autre. Oui. Et comme dit Lionel, la part du fermier dans la DSP qu'on a votée et qui a été prise, la part du fermier augmentant, si on reste stable, ben c'est notre part qui diminue encore. Voilà, donc en 2024, nous devons construire ce budget dans un cadre financier restreint que nous impose l'État, et ça ne va pas s'améliorer, et on souhaite aller dans le sens que je vous ai dit, et ça va être maintenant explicité avec des chiffres. Moi j'ai donné les grandes orientations politiques de ce budget. Le département, puisque les orientations budgétaires ont été présentées ce lundi, les différents groupes politiques, vous l'ont vu, ont dit ce qu'ils en pensaient. Il est clair, là aussi, qu'il y a un effet ciseau indéniable, qu'on soit de droite, de gauche, du milieu ou du centre, et quelle que soit la majorité, elle est aujourd'hui soumise à cet effet ciseau. L'effet ciseau, c'est la baisse des recettes, surtout dues aux droits de mutation, qui ont baissé de plus de 90 millions, qui vont se retrouver entre 60 et 70. La seule critique qu'on peut faire, mais je n'ai pas envie de faire politique ici, j'en ai fait assez la semaine dernière, c'est de dire qu'on aurait pu le prévoir. Mais bon, ça, c'est un autre débat que je ne veux pas ouvrir aujourd'hui. Par contre, ça baisse entre 20 et 25 millions de recettes. Les dépenses et le département y est, c'est de la politique aussi, on peut dire qu'il y est pour quelque chose, mais ou rien, on ne sait rien. Il y a que l'État ne compense plus à l'euro près toutes les aides sociales. Alors est-ce qu'il fallait aussi le prévoir? Est-ce qu'il fallait développer le département pour qu'on ait moins de RSA, qu'on ait moins de ci, moins de là? Ça peut être un débat de politique générale, mais le fait c'est que là, les dépenses ont augmenté de 30 millions. Parce que quand l'État a compensé, il a compensé à un certain niveau, mais il ne compense pas l'augmentation. Donc aujourd'hui, c'est presque 50% de toutes ces aides sociales qui sont prises par le département sans compensation. Donc quand je vous ai dit tout ça, qu'est-ce que le département a décidé? Et c'est là où ça peut avoir des impacts pour nous. Il a décidé que tout ce qui avait été donné aux communes dans le cadre des contrats de projets communaux serait tenu jusqu'en 2024. Donc tout ce qu'on vous a promis, vous l'aurez.
En 2025, ça sera une pause. En 2025, il n'y aura plus de nouveaux aides de demande des communes. Et après, il y aura un nouveau politique d'aide aux communes, puisque le président a dit qu'il continuerait, mais certainement pas de façon aussi large qu'elles étaient. Mais ça, c'est l'avenir qui le dira. Donc ce qui influera sur les communes, c'est 2025 et rien, et après un nouveau mode de financement des collectivités. Je rappelle que le département n'est pas tenu de financer les communes et les intercos, puisque c'est pas une compétence obligatoire. Il lui reste trois compétences, il a trois compétences obligatoires, la voirie départementale, les collèges et le social. Donc, ça aura une influence par les aides qu'il nous a portées, qu'il n'est pas obligé de nous donner. D'autant plus que les grands dossiers départementaux seront maintenus. C'est la piscine de Sarlat, c'est le stade d'eau vive de Bergerac, c'est l'aide à l'abattoir de Ribérac, c'est quelque chose pour Montaigne, mais ça ne coûte pas très très cher. Et je crois que j'ai dû oublier, à part en parlant de Bénac, mais bon, je n'ai pas envie d'ouvrir le débat, je ne pense pas, Francine, avoir oublié grand-chose sur les grands... Si, il y a la maison médicale de Nontron. Voilà les quelques grands dossiers départementaux que le département veut continuer. Alors après, pour un débat politique, est-ce qu'il fallait les repousser, est-ce qu'il faut les diminuer, c'est un débat qui a lieu au niveau du département. Mais qui, bon, est-ce qu'il est, mais comme nous on n'est pas dans ces grands dossiers, si ce n'est que la piscine de Sarlat, le fonctionnement sera demandé aux interco. Donc Germinal Perrault m'a demandé de vous faire voter 11 000 euros par an pour le fonctionnement de Sarlat. Je me suis plutôt engagé à vous le proposer et à dire que la communauté de communes, on lui demandera de participer, mais c'est nous qui mettons le moins. Parce que c'est calculé en fonction de la distance et des habitants. Donc nous, je crois que Sarlat va mettre 200 000 là-dessus, et nous, ça sera 11 000. Mais c'est normal que Sarlat, qui est plus près, le mette. Nous, par contre, on a le plan piscine, dans les grands plans, pour la piscine de Terrasson, pour les autres piscines éventuellement. Voilà. Je pense vous avoir répondu sans déraper dans des domaines en restant sur du factuel. Voilà. Bon, bonsoir les messieurs, mesdames. Comment ? Bon, merci monsieur le président. C'est bon ? Bon, je crois que Dominique a dit presque tout, une grande partie. Moi, je vais en rajouter un tout petit peu de façon un peu plus technique, et le plus technique, ça sera Nicolas qui va vous le présenter tout à l'heure. Je rappelle simplement, comme vous le savez, que les orientations budgétaires sont obligatoires dans les communes de plus de 3500 habitants. Donc, c'est bien notre cas. Il y a en gros deux objectifs principaux auxquels il faut répondre dans ce cas de DOB. C'est le premier, c'est de permettre à l'Assemblée délibérante de discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront inscrites au budget primitif. Le deuxième, c'est de donner lieu à une information sur l'évolution de la situation financière de la collectivité. Et ainsi, les membres du conseil communautaire auront la possibilité de s'exprimer sur la stratégie financière de leur EPCI. Les orientations budgétaires donc, ont pour objet de servir de base et d'échange entre nous. Ils présentent les principaux éléments de contexte et de conjoncture dans lesquels s'inscrira le budget 2024, et également dans un contexte, pas que local, mais dans un contexte national, vu la politique budgétaire et les incidences qu'il pourrait y avoir sur les collectivités en fonction des dotations de l'État en particulier. L'analyse de la situation financière
en fin d'exercice 2023, ainsi que les axes d'orientation proposés par la Commission des Finances et le Bureau pour le budget 2024, les années à venir et les budgets annexes. Donc ça, c'est, vous l'avez écrit, je n'ai pas inventé grand-chose, je relis. Simplement, donc, on vous présentera, bien entendu, les différents résultats des comptes administratifs. Comme l'a dit le Président, et comme on s'est engagé, d'essayer de tenir une épargne nette, aux alentours de 252 000 euros, ce qui a été le cas d'ailleurs en 2023, vous le verrez tout à l'heure, 10 000 euros près, de finaliser, de vous présenter les projets pour le budget 2024. Alors je tiens à préciser, alors ce que je dis là, c'est un constat, c'est pas une critique, c'est pas. Nous ne sommes pas, nous n'avons pas, vous le savez sans doute, un budget, comment dirais-je, d'investissement à proprement parler. C'est surtout des aides que l'on donne aux entreprises. Il y a 200 000 ou 150 ou 200 000 euros, Francine, je crois, qui sont destinés pour les aides aux entreprises, hein, en fonction de certains critères. Il y a effectivement une enveloppe de 200 000 euros pour l'habitat et il y a également des fonds de concours pour en particulier la défense incendie pour les communes. C'est les trois axes principaux qui sont effectivement de l'investissement, mais pas de l'investissement au sens amortissement qui amène un bien positif à la collectivité. Et également, bien entendu, vous le savez, on finance beaucoup de services via le CIAS avec pratiquement 400 000 euros, plus de 400 000 euros de subventions, l'Office du tourisme et également pour la jeunesse, les centres de loisirs. Voilà globalement ce qui est dispatché dans notre budget principal. Je dirais deux mots sur la dette du budget général, qui est une dette relativement faible, parce que si on veut comparer, alors, je ne vais pas faire, le président du conseil départemental n'est pas là, donc je vais me permettre, le département, je crois, il a une capacité d'endettement de 12 ans, à 12 ans, c'est-à-dire qu'ils sont dans le rouge. Nous, on est à 2 ans et demi, hein, d'ailleurs qu'on n'a pas de dette, mais effectivement, c'est normal, il n'y a pas d'investissement physique à proprement parler, de gros investissements pour des structures. Donc on ne va pas emprunter pour aider les entreprises. Le département est passé de 5,6 ans à 12 ans. À 12 ans. En 2 ans. Je parle du budget principal. Comme vous le verrez, l'a dit Nicolas vous montrera, au niveau des charges du personnel, malgré les augmentations du personnel, mais pour des services nouveaux, pour des services nouveaux, les charges personnelles n'augmentent pas de façon considérable. La dette, donc, j'en ai parlé. Et je voulais juste rajouter, pour finir, sur un budget annexe que tu as évoqué, Dominique, c'est le budget assainissement, qui est le budget le plus contraint de nos budgets. Le budget municipal n'est pas très contraint. Les budgets annexes ZAE, c'est très particulier. Ce sont des emprunts, certes, mais ce sont des emprunts des prêts relais essentiellement. Donc, ce n'est pas une dette à long terme. Si je dis des bêtises, monsieur le directeur, vous avez l'autorisation de me reprendre. L'assainissement, j'insiste juste un petit peu là-dessus, puisqu'il y a eu une commission l'autre jour. Pour ce budget assainissement, comme l'a dit le Président, il y a de gros investissements à venir, en particulier sur Terrasson en particulier et d'autres communes, avec le PPI 1, PPI 2, PPI 3, PPU, etc. Donc effectivement, les leviers qu'a évoqué le Président ont été, somme toute, validés en commission. Je rappelle juste que si fonds de concours, il doit y avoir de la part des communes qui peuvent être aux alentours de 25-30%, entre 20 et 30%, pourquoi pas, parce que sinon on ne pourra pas y arriver. Je tiens juste à rappeler que d'abord, les fonds de concours, ce n'est pas les communes qui vont avoir 25% de fonds de concours. Mais ça peut être du cash comme ça peut être cash du jour au lendemain. S'il y a des travaux qui sont étalés sur 3 ans, c'est les fonds de concours qui vont être étalés sur 3 ans, au prorata
des travaux réalisés dans l'année N. Oui, d'accord. Donc ça veut dire que si quelqu'un a un fonds de concours à donner, je vais dire n'importe quoi, 100 000 euros, si les travaux sont sur 2 ans, ça fait 50 000 euros par an. Voilà, bon, c'était juste un détail, mais ça a son importance, il ne faut pas penser que le fonds de concours, on avait potentiellement, c'est rien de décidé encore, ne va pas être demandé là, une sorte de temps. Je tiens aussi à rappeler une chose, que quand nous avons pris la compétence assainissement, c'était une décision politique qu'on a assumée, on a remis aux communes tous les excédents des budgets. Du budget, c'est 800 000 euros, 800 000 euros. 800 000 euros qu'on a redonné aux communes. Donc, c'était pas beaucoup, mais c'est quand même une somme importante, malgré tout, qui aurait permis, peut-être, voilà. Ben, c'est simplement, je le dis, il faut le rappeler, il faut s'en souvenir. Hein, c'était variable en fonction des communes, et je crois qu'il y a très peu de communes qui n'ont pas eu, qui avaient des déficits dans leur exercice. Voilà ce que je voulais juste dire en préambule, et je laisserai la parole à Nicolas qui va vous présenter ce TOB dans le cadre général de la loi de finances 2024 et vous présenter les résultats des comptes administratifs qui sont somme toute tous très satisfaisants. Malgré, je précise, ce budget assainissement où il faut que l'on soit très vigilant, et là il y a des décisions à prendre qui seront importantes pour que toutes les communes, je dis bien toutes les communes, puissent être satisfaites dans leurs demandes de travaux d'assainissement, puisque ça aura une importance dans le cas du PLUI, ça aura une importance dans l'évolution des constructions qui pourront se faire sur le territoire. Voilà, moi ce que j'avais à dire, c'était à peu près tout. Monsieur le directeur, je vous laisse la parole parce que là, maintenant on rentre dans le dur, là, et soyez très attentifs. Hein. Bonsoir tout le monde, vous avez reçu à l'appui de la note de synthèse un rapport donc, qui sera diffusé ce soir, mais on va vous présenter une version beaucoup plus courte et plus allégée que ce que vous avez reçu avec la convocation. Le rapport vous permet de vous situer un petit peu dans le contexte économique et financier, savoir un petit peu où on en est au niveau économique, au niveau national sur l'année 2024, et c'est le fondamental pour lequel l'État vient ensuite voter sa loi de finances. Donc, le contexte économique vient totalement dégrader les finances de l'État au niveau national, et donc il profite de la loi de finances pour donner encore un coup de rabot aux collectivités, et il va vous demander donc d'accompagner le redressement des finances publiques au niveau national, quand bien même les collectivités ont des comptes équilibrés. Cette loi de finances 2024, donc, qui a été votée en décembre, s'inscrit donc dans un élément de contexte au niveau de la croissance. Le budget de l'État a été construit avec une croissance qui devait atteindre 1,4% sur l'année 2024, et le gouvernement a déjà, au mois de février, raboté sa prévision à 1%. Comme on peut le voir ici sur le diagramme, on se rend compte que la croissance est totalement atone au niveau national, et en 2023, au dernier trimestre, elle était même négative. C'est pour ça qu'en fait l'État est venu raboter sa prévision de croissance, et que le ministre de l'Économie a annoncé un coup de rabot dans les finances de son budget. Au niveau de l'inflation, donc elle est moins importante en prévision que les années précédentes, l'État a mis en place un taux à hauteur de 2,6% par rapport aux 5% qu'on a connu donc les années précédentes. Mais ici, vous avez une courbe intéressante qui vous permet de voir un petit peu les fluctuations qu'il y a en fonction du type des produits, puisque l'inflation est différente selon la nature des produits, entre les produits alimentaires, tout ce qui est énergie et également carburant. Dans ce contexte-là également, nous avons les taux d'intérêt qui va venir pénaliser les investissements des collectivités et des particuliers. Vous avez ici une courbe qui reprend le taux Euribor 3 mois, donc c'est le taux sur lequel se financent les banques au marché européen et le taux directeur de la BCE. Jusqu'à maintenant, on avait des taux directeurs qui étaient très très bas, ce qui nous permettait d'avoir accès à de la dette
à des taux réduits, à moins de 1% sur 15 ans ou 20 ans, et voire même des lignes de trésorerie à taux négatif. Les BCE, donc, au vu de l'inflation, pour limiter la masse monétaire sur le marché européen, a augmenté ses taux directeurs pour réduire la masse monétaire sur le marché. Masse monétaire s'est ainsi réduite, en théorie, l'inflation devrait baisser. Et donc, le taux directeur de la BCE, donc, c'est la ligne orange, qui est quasiment à 4,5. Et en fait, on se rend compte que les taux d'intérêt suivent toujours les taux directeurs. Donc, on va taper sur une dette à hauteur de 4% pour une durée de 20 ans, si vous avez des emprunts à faire sur l'année 2024. La BCE a annoncé une baisse de taux directeur prévisible au mois d'avril. Et vu le maintien de l'inflation, elle va décaler sa baisse de taux, en théorie, au mois d'août. Et enfin, donc, au niveau du déficit public, l'État est soumis sur le niveau de cette fameuse règle des critères de Maastricht, héritée de 92, qui fait qu'en théorie, l'État doit voter un budget avec un déficit qui ne doit pas être de plus de 3%. Entre ses dépenses et ses recettes, et en 2024, il va tabler sur un budget déficitaire à 5%, alors qu'il avait prévu une croissance à 1,4%. Il a déjà raboté sa croissance à 1%. Si elle continue à diminuer, le déficit sera encore bien plus important. Et au niveau de la dette publique, souvenez-vous, il faut que 60% du stock de dette représente, le stock de dette de l'État ne dépasse pas les 60% du PIB, donc de la croissance nationale. Aujourd'hui, on a plus de 3 000 milliards de dettes, et donc on dépasse largement les 100% de PIB. Et donc, l'État, concerné à cette situation, demande donc aux collectivités de faire des efforts. Et ici, vous avez finalement le cumul des dettes publiques. En bleu, vous avez la dette de l'État. En orange, la dette des collectivités locales. Et enfin, en orange clair, tout en haut, la dette de la sécurité sociale. Donc, on est à 110% de la croissance nationale, de la production nationale sur une année au niveau de la dette. Mais celle des collectivités ne représente que 10%. Celle de l'État représente 90%. Et enfin, celle de la Sécu, 10%. Et pourtant, l'État va vous demander de faire des efforts, vous, au niveau des collectivités. Et pour cela, du coup, l'État a mis en place une trajectoire que les collectivités de taille importante, dans un premier temps, doivent suivre dans l'évolution de leurs dépenses. Il a arrêté un ratio qui consiste à dire, eh bien en fait, maintenant je demande aux collectivités de faire une évolution de leurs dépenses, l'inflation, moins un demi-point. Ça signifie que les collectivités comme le département qui est concerné doivent faire un chapitre charge caractère général ou même des dépenses de personnel avec une progression qui ne dépassera pas l'inflation, moins un demi-point. Ça signifie que l'État vous donne des compétences que vous devez financer. Forcément, vos dépenses vont augmenter, mais vous êtes coincé par ce ratio. En 2023, l'État propose un taux de 4,8% de progression de vos dépenses de fonctionnement. Il projette moins de 2 sur les années suivantes, alors que vous devez assumer de plus en plus de compétences. Et là, je vais vous présenter deux slides pour vous montrer ce que l'État voit dans les finances des collectivités et ce que nous, les collectivités, nous voyons. Là, vous avez tout simplement la progression des dépenses de fonctionnement de l'État, des collectivités et de la Sécu. Alors, tout en bleu, en haut, la première ligne, c'est les APU, donc les administrations publiques locales. Ce que nous sommes, les collectivités. L'État retient ce ratio en disant que depuis la centralisation, 83, sur une base de 100, les dépenses de fonctionnement des collectivités ont explosé à plus de 500. Elles ont été multipliées par 5 entre 82 et 2022. L'État, lui, qui transfère des compétences aux collectivités, devrait réduire ses dépenses. Et pourtant, malgré tout, il est en bleu clair, donc les APUC, et donc la coupe passe d'une base de 100 à quasiment 350. Il a moins de compétences, moins de missions, puisqu'il délègue au niveau inférieur les collectivités, au niveau supérieur à l'Europe, et malgré tout, ses dépenses ont été multipliées par 3,5 en 40 ans. Mais l'État, lui, ne retient que la courbe des collectivités qui a progressé beaucoup plus vite que l'État. Et c'est normal, on a pris plus de compétences depuis la décentralisation.
Ça, c'est la vision de l'État. Et c'est pour ça qu'il vous demande de faire un coup de rabot dans mon budget. Maintenant, vous allez voir la vision des collectivités. Entre 83, décentralisation, et aujourd'hui, 2022, vous avez la part des dépenses de fonctionnement public au niveau national. Et on se rend compte finalement que en 83, les collectivités ont représenté 8,7% des dépenses de fonctionnement par rapport aux dépenses publiques. L'État, lui, était à 26%. En 2022, il sera toujours à 27% des dépenses publiques totales. Les collectivités ne seront qu'à 12%. Voilà la vision des collectivités locales. Et vous, vous maîtrisez vos dépenses de fonctionnement parce qu'on doit avoir des budgets équilibrés et malgré tout, vous assumez plus de compétences. Et donc, face à cette situation, l'État a voté une loi de finances avec tout son chapitre qui concerne les collectivités locales dans lequel il va vous demander de faire des efforts dès 2024. Et donc cette partie, on l'a appelée « à fond à ma forme » pour reprendre un petit peu le slogan d'une grande marque parce que c'est qu'une loi qui n'est que sur la forme et dedans, il n'y a que du peu. Pourquoi à fond la forme? Sur deux sujets. Parce qu'en fait, l'État fait des annonces d'augmentation des enveloppes. On va vous prouver qu'en fait, elles vont baisser. Et enfin, sur le verdissement des enveloppes au niveau national. Alors tout d'abord, l'élément essentiel qui nous concerne, c'est sur le côté fiscal, sur la question des bases. Chaque année, vous savez que nos bases évoluent quand bien même vous n'obtenez aucun effet sur les taux. L'année dernière, avec l'inflation, on a eu une revalorisation des bases à hauteur de 7,1%, sans toucher les taux. En 2024, elle sera à hauteur de 3,9%. Ce qui fait que, sans toucher vos taux, au niveau de l'Interco, en termes de taxes foncières sur les propriétés bâties, vous allez encaisser 44 000 euros de fiscalité complémentaire et 6 000 euros sur le foncier non bâti. Alors que l'année dernière, avec l'évolution de l'inflation, c'était quasiment le double. Le second sujet, le second aspect, c'est la disposition qui concerne la possibilité de déroger à la règle de lien de taux. L'année dernière, l'État nous a demandé aux collectivités de revoter un taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires, qui avait été supprimé il y a 2 ans. Et en fait, vous étiez la plupart coincés par cette fameuse règle de lien de taux. En fait, si vous vouliez actionner un effet sur le taux à voter sur la résidence secondaire, vous étiez coincé parce que vous devez également toucher au taux de foncier bâti. Ça signifie que si vous voulez toucher que les résidences secondaires, vous touchez également le propriétaire local parce que vous devez toucher les deux taux. L'État, donc, a souhaité déroger à la règle pour l'année 2024, mais avec des conditions très restrictives. Et en fait, il a décloisonné la règle des lignes d'auto cette année, mais on a fait le calcul pour les 37 communes du territoire, et aucune commune ne rentre dans la dérogation pour pouvoir déroger à la règle des lignes d'auto. Donc il n'y aura aucun effet pour vous. Mais il y a la possibilité d'avoir un effet pour l'Interco qui est assez minime. Vous avez ici la projection, donc en 2023, on avait un taux de 2,39% sur des bases à hauteur de quasiment 6,4 millions et l'Interco a encaissé une fiscalité à hauteur de 152 000 euros. En 2024, si on maintient le taux et avec la revalorisation des bases du fait de la loi de finances, on aurait 158 000 euros. Donc on va avoir un produit complémentaire de quasiment 6 000 euros. Vous avez la possibilité à l'Interco de déroger cette année sans toucher aux autres taxes, foncier bâti et non bâti, et de rajouter 0,4 points. Ce qui fait que vous pourriez voter un taux dérogé à hauteur de 2,83% et ça générerait donc un produit complémentaire de 29 000 euros. Mais les communes, aucune commune n'est concernée par cette dérogation. Oui, tout à fait. Donc vous voulez, les communes ne pourront pas agir sur si vous voulez retransformer des résidences secondaires en résidences principales. Si ce n'est... On en discutera, mais bon, il y a un vrai débat. Est-ce que les résidences secondaires, il faut les faire payer plus, est-ce que ça participe à la vie économique, enfin, il y a un débat à avoir. Mais le débat se traduit par 30 000 en plus, c'est tout. C'est ça. Après, les communes, vous pouvez malgré tout réévaluer le taux, mais il faut également que vous touchez le foncier bâti. Donc ça, c'est au niveau fiscal, l'effet base et la nouvelle disposition sur
les résidences secondaires. Au niveau maintenant des dotations, l'État a indiqué que finalement il a augmenté son enveloppe auprès des collectivités qui passe de 18,6 milliards à quasiment 19 milliards. Mais vous avez ici la déclinaison des différents types de dotations. Vous remarquerez que la dotation forfaitaire, donc votre DGF communal, augmente de zéro. Ça signifie que les communes qui vont gagner en population vont prendre une part plus importante de la DGF des communes qui stagnent ou qui baissent. Et ensuite, donc, au niveau de l'interco, et là on est concerné, donc c'est les diagrammes en vert, on a deux parts, la dotation de compensation et la dotation intercommunale. L'État donc a promis aux collectivités d'augmenter la part intercommunale de la DGF de 90 milliards, mais ce qu'il a oublié de vous dire, c'est qu'il va prendre dans la dotation de compensation, qui est l'autre part de la DGF intercommunale, 60 millions. Donc en fait, au total, il n'augmente que de 30 milliards la dotation intercommunale. Et malheureusement, notre territoire, on va perdre, puisque dans la décomposition de ces deux taxes, de ces deux dotations, on a plus de dotations de compensation que de dotations intercommunales. Vous remarquerez également que le volume total des dotations n'augmente que de 1,72%, alors que l'État a tablé sur une inflation à 2,6%. Voilà un petit focus sur la DGF au niveau de l'interco. Donc nous avons le bas, la dotation intercommunale, qui est calculée en fonction du degré d'intégration de l'interco, les compétences que nous avons et la population. Nous avions en 2023 418 000 euros. Et chaque année, cette dotation perd 5%. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'interco n'a pas assez de compétences en gestion. Ce sont les communes qui ont la majorité des compétences. Et donc, l'État fait un système de péréquation horizontale, il prend dans les collectivités peu d'auteurs compétences pour pouvoir le reverser aux collectivités dites intégrées. Et nous avons une dotation de compensation qui correspond à l'ancienne part salaire de la taxe professionnelle qui était supprimée en 2002. L'État était venu compenser par cette fameuse dotation qui se réduit d'année en année. On avait 631 000 euros en 2022, on est passé à 628 000 en 2023. Mais cette année, l'État va prendre 60 milliards dans cette part pour pouvoir réabonder 30 milliards en haut dans la dotation intercommunale. Ce qui signifie qu'en fait, on va perdre beaucoup plus de dotation de compensation, mais nous, on ne va pas la récupérer en dotation intercommunale parce qu'on n'est pas assez intégré. Il va la retransférer aux collectivités qui, elles, ont des compétences. Donc cette année, au lieu de perdre 5% de DGF, on va prendre quasiment 10%. Ce qui fait que depuis 2017, si on regarde bien, vous avez perdu 248 000 euros au niveau intercommunal de dotation de la part de la collectivité, ce qui correspond à une année d'épargne de l'interco. Et si on prenait beaucoup plus de compétences, en les exerçant, il est prévu qu'on serait gagnant, malgré qu'on perdrait moins de DGF. Parce qu'il y a un certain nombre d'interco qu'on connaît, je ne sais pas s'ils sont bien ou mal gérés, mais qui ont beaucoup de compétences et qui sont dans des situations financières très très compliquées. Je ne donnerai pas de nom, mais il y en a certaines. Et juste en bas, vous avez un diagramme qui reprend sur la première ligne le montant total de la DGF, donc les deux parts de l'interco, 1 046 000 euros. La moyenne de la DGF des intercos dans notre strate est quasiment à 1 510 000 euros. Si on a un chiffre aujourd'hui aux alentours de 0,24, si on est le plus bas de l'urbaine, tout à fait, si on avait un chiffre moyen, comme une interco moyenne, comme notre interco, aux alentours de 0,40, on aurait quasiment 1,5 million de DGF. Donc on va perdre au niveau de la DGF, tout comme les communes. Et au niveau de la CVE, souvenez-vous, l'État, l'année dernière, est venu supprimer la CVE. L'entreprise, elle la paye toujours, mais elle n'est plus encaissée par la collectivité, elle est encaissée par l'État, et l'État nous reverse une dotation en nous reversant une partie de la TVA nationale. Donc, vous avez ici les montants de la CVE qui était encaissée par l'Interco sur les 4 derniers exercices, et l'État nous avait promis de nous verser la moyenne des 4 dernières années.
Donc en 2023, on devait encaisser au titre de la TVA 868 000 euros, qui représentait la moyenne des 4 dernières années. C'est une bonne chose par rapport à ce qu'on vit, par rapport à Conda, c'est clair. Mais encore une fois, l'État, l'année suivante, commence déjà à rogner dans cette compensation. En 2022, c'était de la fiscalité qu'on a encaissé. Au niveau national, la CVE représentait un peu plus de 10 milliards. En 2022, elle est passée à 11,3 milliards. Donc c'était la fiscalité qui était encaissée par les collectivités. En 2023, il arrête, l'État garde la fiscalité et reverse une dotation aux collectivités. Vous aurez remarqué que sur un an, la fiscalité, avec l'effet dynamique, avait augmenté de 1,25 milliard. En 2023, l'État compense, ça va figer et en plus, ça va baisser. En 2023, l'État n'a reversé aux collectivités que 11,25 milliards, soit moins que 2022, alors qu'on avait toujours une dynamique de progression. Et en plus, parmi ces 11,25 milliards, il a réaffecté dans différentes enveloppes. Il a reversé 10,6 milliards aux collectivités qui ont perdu la CVE, dont l'Interco. Il est venu abonder l'enveloppe au fonds vert avec 500 millions. Donc l'État vous dit, je mets 500 millions de plus sur la DGF, sur la DETA, avec les fonds verts, mais il a trop aux Interco. Donc c'est de l'argent qui revient de droit aux Interco. L'État s'est servi, reverse aux Interco. Et ça, à l'époque, on avait un section de fonctionnement. Et là, l'État, le fonds vert, vous le donne sur des fonds d'investissement. Si la collectivité ne dépose pas de dossier fonds vert ou des dossiers d'investissement, il ne récupérera pas cette perte. Et en plus, il a aussi fléché 158 millions pour les 10. Et malheureusement, en février 2024, le ministre de l'Économie annonce une baisse de la croissance pour faire un coup de rabot. Et lui, je vais raboter de 400 millions d'euros l'enveloppe fonds vert versée aux collectivités. Donc déjà, sur l'année 2024, il va commencer à réduire la partie compensation qu'on devait avoir au titre de la CVE. Donc le fonds vert n'est pas un cadeau, c'est pas un cadeau complémentaire, il n'a pas de collectivité pour pouvoir y reverser. Et en fait, dernière chose, même système pour le FNG, il a des CRTP. Donc là aussi, il y a une disposition... Oui, justement, je vais expliquer. Parce que tout ça, en fait, c'est de l'histoire fiscale. Et chaque année, l'État vient amender tous ces dispositifs fiscaux. Et si on ne repart pas de l'histoire, eh bien, en fait, on ne se rend pas compte qu'on est perdant. Et donc, je vais expliquer ce que c'est ça. En fait, le FNG a été certifié, c'est suite à la suppression de la taxe professionnelle. En 2010, Sarkozy avait supprimé la taxe professionnelle. Il a dit, je la supprime. Mais il a dit qu'il avait substitué par tout un panier de nouveaux paliers de ressources fiscales. La CFE, donc la fiscalité entreprise, la CDE, comme on vient de parler, l'IFER, la TASFAM, la taxe additionnelle sur le foncier non bâti, et donc les collectivités ont eu un nouveau palier de ressources fiscales. Je vous donne un exemple. Alors, un territoire qui a encaissé jusqu'en 2010 1 million de taxes professionnelles. Elle est supprimée. Donc la collectivité n'encaisse plus de taxes professionnelles. Elle a le droit à ce nouveau palier de ressources fiscales. La nouvelle fiscalité mise en place. Le territoire, avec le nouveau système, a encaissé 1,2 million. Donc il était gagnant par la réforme. Mais l'État a voulu faire ça à niveau constant. Il a dit, oula, mais je redonne beaucoup plus de fiscalité au territoire, donc je vais lui prélever. Et ce prélèvement, ça s'appelle le FNG, le Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources. Vous encaissez plus de fiscalité, vous encaissez la recette, mais en dépense, l'État vient vous prélever la différence, annuellement, 200 000 euros, parce que c'est figé. Et cet argent-là, en théorie, c'est ce qu'on appelle encore un système de péréquation horizontale, il le prélève aux collectivités pour le donner en recette aux collectivités qui, elles, étaient perdantes avec la réforme. Une collectivité dont la Comcom Terrasson-Lauragais est une collectivité perdante, avait, pour donner un exemple, à contrario, 1,2 million de fiscalité avec l'ATP, avec le nouveau système, elle est passée à 1 million, et bien l'État reversait 200 000 euros de DCRTP à notre Interco. Mais ce n'est pas l'État qui le donnait, il le prenait chez le voisin pour le reverser chez nous.
Cette année, rebelote, coup de rabot sur cette dotation qui devait être figée, l'État continue à prélever 200 000 euros dans les collectivités dites gagnantes, mais n'en reverse qu'une partie aux collectivités perdantes. Donc à un moment, l'argent reste au niveau de l'État. Et donc, c'est 12 millions d'euros au niveau national qui seront rajoutés sur l'enveloppe de DCRTB. Donc, l'Interco avait cette recette qui était figée en 2024 en valeur élevée. Donc, on perd de la DGF, on perd de la CDE, on perd de la DCRTB. 80 000 euros vont disparaître dans le budget intercommunal cette année. Donc voilà, l'État dit j'augmente les enveloppes, mais on vous prouve qu'en fait ça va baisser. D'où à fond la forme. Et enfin, dernière slide sur la forme, un peu ce que j'appelle le verdissement du budget national. L'État va vous imposer de mettre en place ce qu'on appelle des budgets verts. Voilà. Comment ça va se passer? Eh bien en fait, il faut qu'on fasse une annexe complémentaire dans le budget pour savoir si on fait des emprunts pour des projets tournés vers l'environnement ou l'écologie. Donc on va devoir tenir la comptabilité analytique et affecter toutes ces dépenses d'investissement et d'emprunt sur cette annexe verte. Donc là, les collectivités de votre taille ne sont pas concernées, sauf Terrasson. Par contre, toutes les collectivités du territoire sont concernées par la fonction achat. Au mois de juillet, toutes vos secrétaires vont devoir remplir des annexes budgétaires pour savoir si nous achetons des fournitures administratives recyclées, si c'est du papier écologique, si vous achetez des téléphones reconditionnés, si les ordinateurs sont reconditionnés, et on va devoir atteindre un objectif de 20% d'achats reconditionnés. Ça signifie que dès l'acquisition, dès l'engagement de vos dépenses, vous allez devoir flécher sur l'annexe de votre budget cette fonction d'achat. Donc ça, c'est pour la forme. C'est beaucoup plus simple. Et enfin, l'information, donc le préfet devra communiquer aux membres de la commission de DETR les dossiers qui n'auront pas été retenus et les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été retenus. Voilà, et ensuite, vous avez également la volonté de l'État de verdir les dotations. En fait, ils vont avoir un pourcentage d'affectation dans les dossiers de DETR et DECI, où en fait, par exemple, la DECI, 30% des fonds devront être accordés vers des dossiers verts portés par les collectivités. Et vous avez vu, je vois, la notion de fonds verts où l'État avait mis en place 2,5 milliards avec un amendement de 500 millions. Donc vous aurez compris que cet amendement a disparu depuis l'entreprise. Donc maintenant, même vos dossiers de DETR et DECI devront être verts. Et enfin, un dernier aspect de loi de finances très important pour le territoire, c'est qu'on était tous classés en zone ZRR, zone de revitalisation rurale. L'État donc veut simplifier le système. On avait du ZRR, on avait le ZORCOMIER qu'on avait mis en place, ce fameux sigle qui signifie zone de revitalisation commerciale et artisanale qu'on a mis en place il y a 2 ans. L'État va gommer tous ces dispositifs pour en faire qu'un seul qui va s'appeler zone France ruralité revitalisation. Il y a tout un ensemble de critères qu'il faut obtenir pour être classé dans ce zonage. Les cartes devraient sortir d'ici ce semestre-là. Et si notre territoire est éligible, nous devrons tous délibérer dans les 90 jours pour mettre en place les exonérations fiscales pour nos entreprises. Avant, dans la ZDRR, c'était automatique, devant qu'on était classé. Cette année, si on est classé dans cette nouvelle zone, oui, non, mais les collectivités n'avaient pas besoin de délibérer. Nous, cette année, dès qu'on sera classé, on aura 90 jours pour délibérer, pour transposer les exonérations sur nos territoires. Et donc, ça donne la possibilité pour les entreprises d'avoir des exonérations fiscales de CFE, d'IFER et TASCOM pendant les 5 premières années d'installation, un peu comme la ZDRR au jour d'aujourd'hui. Voilà, pour avancer un peu plus vite, le fait également que l'État supprime la fiscalité au niveau local, on n'a plus de lien avec le contribuable local, puisque du coup on n'a plus de TH, on n'a plus que le foncier bâti, on n'a plus que de CDE, un peu moins de CFE, donc on n'a plus de lien avec nos administrés, on n'a plus de lien avec nos entreprises. Qui plus est, en plus avec ces systèmes de redistribution, l'État prélève de la fiscalité pour la reverser à d'autres. Ça signifie qu'en fait, si on regarde bien, globalement, il y a des entreprises qui croient qu'ils paient de la fiscalité
pour un territoire voisin, alors que l'État nous le reverse avec ce système de CRTB. Donc il n'y a plus de lien entre le territoire, les entreprises et les administrés au niveau fiscal. L'État compense tout cela par des dotations qui baissent et qui se réduisent. La conséquence que ça aura, c'est ces deux diagrammes. En 1979, quand on n'avait que de la fiscalité, ce qu'on appelait à l'époque les 4 biais, la TH, foncier bâti, non bâti et la TP, 100% d'autre potentiel, c'était de la fiscalité. Le potentiel, c'est quoi? C'est en fait, c'est vos bases de fiscalité multipliées non pas par vos taux que vous votez, mais par les taux moyens nationaux. Comme vos taux en espace rural sont toujours plus bas que les taux moyens nationaux, l'État se dit, ah mais en fait, cette commune, mais voter l'équivalent des taux moyens nationaux, voilà quel serait son potentiel fiscal. Et plus il est important, plus ça signifie que vous vous rapprochez des taux moyens nationaux et que les collectivités jouent les jeux de la fiscalité. Et donc l'État dit, ah mais moi, si la collectivité joue le jeu de la fiscalité, je l'accompagne dans les dotations. C'est pour ça qu'en fait, la DGF communale est calculée en fonction de ce potentiel. Plus il est élevé, plus vous êtes à la DGF. A contrario, les territoires qui ont un potentiel fiscal très faible, ça signifie qu'elles ont des taux très bas. Donc l'État dit, ah, mais moi, avant d'aller aider les communes avec de la DGF, je veux d'abord qu'elles fassent un effet levier sur leur taux pour augmenter leur potentiel. Le problème qu'il y a, c'est que maintenant, on a du montant de fiscalité, qu'on a plus de dotations, vous avez un petit peu la structure du potentiel fiscal. 43% du potentiel, c'est des dotations de l'État qui vont baisser, et 57% c'est de la fiscalité que vous vous prélevez. Comme les dotations baissent, forcément le potentiel fiscal des collectivités va baisser. Et la conséquence que ça va engendrer, c'est que l'État va dire à un espace rural, votre potentiel diminue, vous jouez pas le jeu de la fiscalité, alors que du coup, c'est pas votre faute, j'ai des bonnes dotations. Mais du coup, je vais encore vous raboter votre DGF. Et une carte a été travaillée par l'Association des communautés de France. Quand on est classé en vert, ce qui est le cas de notre territoire en Dordogne, ça signifie que le potentiel financier de la collectivité va baisser de plus de 11%. Et ceux qui sont en rouge, ce sont les territoires gagnants. Ça signifie qu'à terme, avec la réforme de la disparition de la fiscalité transformée par les dotations de la part de l'État, les territoires ruraux qui sont placés en vert seront perdants, et en plus l'État va encore vous baisser vos DGF. Seule bonne nouvelle dans ce système-là, c'est qu'en fait au niveau du FPIC, et là on est en vert foncier, là on va avoir un potentiel financier du FPIC qui va augmenter, et là on va avoir un effet positif. Voilà, c'est le seul aspect positif que j'ai trouvé dans la loi de finances 2024 pour les collectivités. Donc ça veut dire qu'une grosse refonte au niveau fiscal, au final, il n'y a plus de fiscalité, c'est plutôt du financier, malheureusement, mais les effets seront assez lourds financièrement pour les collectivités en espace rural. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on va travailler le budget 2024. Et donc, comme l'a dit le président, on va présenter des résultats qui sont totalement contre nos prévisions, avec une épargne de 250 000 euros qui est maintenue au budget principal, une volonté de stabiliser l'endettement, hormis l'emprunt qu'on avait pour la SND3. Et donc au niveau du budget principal, ici vous avez les résultats provisoires du compte administratif, avec une section de fonctionnement qui va s'arrêter à quasiment 400 000 euros sur 2023, auquel on va additionner les 1 325 000 euros de résultats cumulés du passé. Ce qui fait qu'on va avoir un résultat cumulé en section de fonctionnement de quasiment 1 715 000 euros. En section d'investissement, nous avons un solde positif de 275 000 euros, mais qui est, je dirais, factice, dans le sens où on a encaissé le produit de l'emprunt, justement, pour payer la soulte auprès du SND3 en fin d'année. Et comme on a refusé de payer la facture au SND3 parce qu'on voulait négocier le montant, on va payer la facture au SND3 en tout début d'année 2024. Donc en fait, si ce résultat en section d'investissement va se gommer cette année, puisqu'on va payer le SND3 avec décalage. Et donc au niveau, donc on va voir le résultat comptable, au niveau financier, le maintien de l'épargne nette,
donc 457 000 euros pour l'année 2023. On est bien sur une épargne de 250 000 euros, tel qu'on s'est été fixé. Mais comme on avait augmenté la fiscalité il y a 2 ans pour pouvoir financer la politique habitat, 250 plus les 200, ça fait bien 458 000 euros. Mais la politique habitat, on la paye en section d'investissement. L'épargne se calcule sur la section de fonctionnement. Donc c'est tout à fait logique. Et enfin, au niveau de la dette, pour aller très vite, nous avons une dette au budget principal au niveau du capital restreint qui s'élève à 1 million d'euros. Comme nous avons une épargne brute de 600 000 euros, il nous faudrait moins de 2 ans pour pouvoir rembourser la dette avec notre épargne brute. Donc c'est un très très bon ratio. Un petit focus sur les opérations en section d'investissement. Vous avez donc 3 colonnes pour chacune des sections, avec les crédits ouverts en prévisionnel, la section telle qu'elle est consommée au jour d'aujourd'hui et les restes à réaliser qui vous seront proposés à reporter sur 2024. On tenait donc à vous souligner, comme on a dit M. Moulinier, nous avons surtout une section d'investissement qui est tournée vers des fonds de concours. On ne construit pas du bâtiment, on ne fait pas des projets d'investissement. Et donc nous avons des opérations avec des crédits ouverts assez importants et une consommation un peu plus faible. À titre d'exemple, je prends l'opération fonds de concours pour la DSI. Nous avions ouvert 93 000 euros, souvenez-vous, on avait mis en 2022 50 000 euros qu'on n'avait pas consommé. On avait consommé 7 000 euros, donc il restait 43 000 euros. On a additionné 50 000 euros de plus sur 2023 et on a déposé que, vous avez déposé que 11 000 euros de dossier pour 2023. Donc n'hésitez pas. Du coup, à déposer vos dossiers pour la liste, parce que les crédits sont là. Un petit focus sur le personnel. Donc, la section chapitre 12 au niveau du personnel en 2023 était de 1 156 000 euros en prévision pour 286 000 euros de recettes, puisque nous avons des postes qui sont financés sur l'habitat, petit type de demain, France Service, la DGDEC d'urbanisme. Donc, ce sont des recettes qui sont fléchées sur les postes. Ce qui fait que le coût net du personnel représente 870 000 euros en prévision. Non, pardon, en réel, en réalisé. Et au top, l'année dernière, en 2023, on avait estimé un coût à 878 000 euros. Donc, on est vraiment dans la trajectoire aussi au niveau du personnel par rapport à ce qu'on avait expliqué l'année dernière au même moment au niveau du top. On va passer au budget assainissement aussi, donc même présentation, les résultats comptables. Une section de fonctionnement qui clôture à 274 000 euros en 2023, 1 million d'euros accumulé avec le résultat reporté, une section d'investissement qui est déficitaire à hauteur de 210 000 euros, donc il sera reporté 800 000 euros en 2024 en section d'investissement. Vous aurez remarqué les bons résultats sur 2021-2022, souvenez-vous. On avait projeté 2 années de pause pour améliorer l'épargne, améliorer les résultats. 2023, on voit qu'on est reparti sur de l'investissement et du fonctionnement et on a arrêté l'année de pause. Maintenant, comment construire le budget 2024? Donc, le budget principal, on vient de voir les dispositions au niveau de l'État sur nos finances et collectivités, sur la DGF, sur nos bases de fiscalité. Un petit principe de rappel. Au mois de septembre, quand on a fait le conseil communautaire à Hautefort, on avait pris une délibération pour revaloriser les bases de CFE, les fameuses bases minimum. Ce sont toutes les entreprises qui sont soumises à de la fiscalité CFE, mais qui ont un local tellement petit qu'elles ne peuvent pas être soumises à une base réelle d'imposition. Donc, en fonction du chiffre d'affaires, elles ont une base d'imposition forfaitaire. Je vous rappelle qu'il y avait sept strates en fonction du chiffre d'affaires qui va de moins de 5 000 euros à plus de 500 000 euros et en fonction de comment se positionne l'entreprise, vous avez la possibilité de voter une base entre 237 euros et jusqu'à 7 349 euros. Et c'est sur cette base-là que s'applique votre taux intercommunal qui est de 25,11%. L'état des lieux, souvenez-vous, il y avait sur le territoire 993 entreprises qui étaient concernées par la base minimum. Ça représente 105 000 euros de produit fiscal. Et vous avez voté la mise en place des bases maximum par tranche d'imposition.
ce qui fait que le produit fiscal va passer à un peu plus de 370 000 euros sur l'année 2024 au titre de sa disposition. Je vous donne un exemple pour traduire un petit peu les lignes, pour faire un petit rappel. Une entreprise qui, par exemple, avait un chiffre d'affaires annuel compris entre 250 000 et 500 000 euros, était soumise à une base d'imposition sur ce territoire à hauteur de 787, sur lequel s'applique le taux de 25-11, elle ne paye une CFE à hauteur de 197 euros. Et l'entreprise qui avait un chiffre d'affaires plus important, supérieur à 500 000 euros, avait une base d'imposition de 685, ce qui ramenait son taux, sa participation de CFE, à hauteur de 170 euros. Voilà. Donc vous avez également aussi harmonisé la progression aussi en fonction des chiffres d'affaires. Donc c'est une fiscalité complémentaire de 257 000 euros qui va arriver au budget 2024. Qui permettra d'améliorer le CIF qui passera de 0,23 à 0,24. Mais ça paraît pas beaucoup, mais une petite incidence au niveau du FPIC. Souvenez-vous, on avait essayé de mesurer les effets des incidences pour tout le territoire en fonction de cette disposition. Donc sur le diaporama, vous avez tous les calculs, mais pour aller plus vite là, on les a supprimés. Il y a deux effets de cette disposition. Il y a un effet sur la dotation intercommunale, puisque le CIF passe de 0,23 à 0,24. Donc quand on a voté la disposition, on aurait dû avoir un effet d'évolution sur la DGF, qu'on n'aura pas, puisqu'il est en de la baisse. Donc, elle baissera un peu moins que si on n'avait rien fait l'année dernière au niveau des bases de CFE. Et après, il y aura un effet sur le FPIC. Pourquoi? Parce que, souvenez-vous, le FPIC, c'est quoi? C'est le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales. C'était mis en place en 2012. C'est une enveloppe de 150 millions d'euros à l'époque. Aujourd'hui, elle est de plus de 1 milliard d'euros. Mais ce n'est pas un fonds donné par l'État. L'État prend l'argent, encore une fois, dans les territoires contributeurs, des EPCI et des communes, pour les reverser à d'autres collectivités. Alors nous, nous avons la chance d'être à la fois contributeurs et percepteurs. Et pour faire synthétique, en fait, l'enveloppe du FPIC au niveau du territoire, en 2023, elle était de 492 000 euros. La répartition de l'enveloppe entre les communes et le budget communautaire, c'est en fonction du CIF. Ça signifie que quand on avait un CIF à 0,23, 23% de l'enveloppe venait à l'interco, le reste, c'était pour les communes. Puisque le CIF augmente à 0,24, puisqu'on a revalorisé les bases de CFE, les communes vont perdre 0,01. Et donc, on s'était engagé à déroger à la règle des répartitions cette année, pour permettre aux communes de ne pas perdre ce 0,01. On avait fait une simulation à l'époque sur les valeurs 2023. L'enveloppe des communes, qui était de 377 000 euros, passerait à 354 000 euros avec la disposition qu'on a prise au niveau des bases minimum. Donc il va manquer 23 000 euros dans les communes. Comme on a un gain au niveau des bases minimum de CFE, on va déroger à la répartition pour permettre au bloc communal de conserver ces 23 000 euros. Ça va consister à une délibération au mois de juin qui vous sera proposée où on va déroger à la répartition. Donc, c'est dans ce contexte-là également que du coup, on va construire le budget de la Comcom avec une volonté de maintenir l'épargne nette à 250 000 plus 200 000 euros pour l'habitat, 450 000 euros pour autofinancier nos projets d'investissement. L'épargne nette, ce n'est pas de l'argent qu'on met de côté, c'est juste un indicateur qui vous dit, une fois que j'ai payé toutes mes dépenses de fonctionnement avec mes recettes de l'année, voilà ce qui me reste en caisse pour autofinancier mes projets d'investissement, ces fameux 450 000 euros. Et quand on vient autofinancer l'économie pour 150 000, 250 000 pour l'habitat et 50 000 pour le fonds de concours, toute notre épargne est affectée sur les fonds de concours. Et comme on ne va pas emprunter pour pouvoir financer ces projets-là, on se sert de l'épargne. Tout ça pour dire qu'en fait, on doit à tout prix maintenir et garantir cette épargne pour continuer à financer ce triptyque. Si on fait 10 000 euros de dépenses complémentaires en section de fonctionnement, on aura moins d'épargne, on aura plus de difficultés pour financer le service.
Le second sujet pour construire le budget 2024, ce sera surtout l'enjeu cette année, ce ne sera pas le budget principal, ça sera le budget assainissement, comme l'ont dit le président et le vice-président, avec une mise à jour du BPI qui est intervenue en 2020 et qui va intervenir en 2024 et qui va nécessiter du coup de retravailler le BPI et de mettre en place de nouvelles dispositions pour pouvoir le financer. Mais on va revenir juste après. La troisième disposition aussi, c'est que vous avez vu, nous avons 1,7 million d'euros de résultats reportés. Il vous est proposé cette année d'affecter une partie de ces résultats reportés pour mettre en place une enveloppe en hauteur de 250 000 euros sur une opération qui va s'appeler Document d'urbanisme pour pouvoir faire accompagner le territoire par un bureau d'études pour finaliser le PLUI au vu du combat qu'on est en train de mener. Donc en fin d'année, si on réfléchit, 250 000 euros sur l'enveloppe PLUI 2007, forcément, on passera à 1,5 million. L'épargne que vous avez générée avec les bons résultats vous permet de prendre les dispositions pour pouvoir construire le territoire de demain avec le PLUI. Et donc ce projet va se décliner auprès des trois publics. Nous avons le public pour les entreprises, donc 200 000 euros pour l'enveloppe qui sera dédiée à l'économie pour l'année 2024. Une volonté également d'accompagner les habitants avec France Service, la politique habitat, et cette année la mise en place d'un mode de gestion unique puisqu'on va récupérer la gestion du France Service d'autonome et avoir une harmonisation de la compétence France Service. Et enfin, la nouvelle disposition pour l'année 2024 qu'on vous propose dans la construction budgétaire et qui aura des effets, c'est de vous accompagner, vous les communes, donc n'hésitez pas, il y a les fonds de concours d'ici, mais c'est également une volonté de vous accompagner sur ce qu'on appelle de l'ingénierie territoriale. Nous avons donc recruté une VTA, une volontaire territoriale de l'administration, qui va arriver la semaine prochaine chez nous, qui va travailler pour le projet territoire et pour les collectivités, interco et communes. On va en faire la spécialiste pour aller dégainer les AMI, les appels à projets, puisque maintenant, vos projets ne sont financés que par ce type d'appel à projets. Il définit ce terme où on avait, j'ai un dossier à l'année à projeter, je vais envoyer un dossier au département, quelques d'argent, je vais envoyer un dossier à l'État, un dossier à la région, et j'aurai bien 20% un peu partout. Maintenant c'est fini, maintenant c'est des appels à projets, et si on ne se mobilise pas pour pouvoir aller faire une veille, les détecter et construire vos projets qui doivent rentrer dans le cadre des appels à projets, quitte à les habiller, ça ne fonctionnera pas. Donc du coup, on vous propose ce service avec une collaboratrice qui sera dans nos bâtiments à partir de la semaine prochaine. C'est fini, ouais. Et enfin, du coup, ce budget qui s'inscrit toujours dans ce projet de territoire qui est autour de quatre axes, hein, l'économie, l'attractivité spatiale, l'espace communautaire avec un espace de solidarité et enfin une offre de services durables. Ça aussi, vous l'avez vu, c'est donc quelques travaux à prévoir dans un local attenant pour pouvoir inscrire France Service intercommunal donc, dans la rue de la mairie, mais juste à côté là. Voilà, donc il y aurait 10 000 euros d'enveloppe à prévoir sur l'informatique et l'immobilier et également opérer le transfert des contrats de droit privé vers des contrats de droit public dans la collectivité. Et enfin, donc, le PPI, le président vous en a parlé. Pour l'assainissement, nous avons donc une épargne qui oscille les 200 000 euros pour l'année 2023 au budget assainissement. Et nous avons la possibilité d'avoir un recours à l'emprunt à hauteur de 2,7 millions d'euros de 2024 jusqu'à 2030 à épargne identique. Ici, vous avez le montant total du PPI que vous avez mis en place au moment de la prise de compétence. Ce dernier s'est élevé à la somme de 4,4 millions d'euros. Et quand vous avez travaillé à la prise de compétence, vous avez déterminé une redevance à hauteur de 290 euros hors taxe pour pouvoir financer le fonctionnement et ce PPI. Quand on regarde l'épargne générée par ce budget, grosso modo 250 000 euros en moyenne, jusqu'en 2030, ça fait 1 750 000 euros d'autofinancement dédié par le budget pour vos projets du PPI. La capacité d'investissement à hauteur de 2,7 millions vous permettait de financer
ce BPI initial mis en place en 2018 au moment de la prise de compétences, avec la redevance telle qu'elle est au jour d'aujourd'hui. Et il restait de l'argent. Oui. Entre-temps, les 17 000 euros, quasiment. Entre-temps, vous avez rajouté donc, des opérations dans ce PPI, qu'on va appeler PPI 2, en 2020, et vous avez ici la répartition eh bien, des différentes opérations, quasiment 2,5 millions qui ont été rajoutées sur les 4 millions, donc quasiment 50% de plus d'opérations. Donc forcément, le budget s'en retrouve déséquilibré pour l'avenir. Et vous avez les types donc, d'opérations qu'ils ont projetées, du diagnostic, de la création des réseaux d'assainissement, de l'extension, ou également aussi des conformités à faire suite aux gains qui ont été réalisés. Et donc l'enjeu, c'est de financer ces 2 millions qui ont été rajoutés. Et en fin d'année 2023, on a eu donc le retour du diagnostic sur une commune, donc celle de Terrasson, et on aurait la faculté de pouvoir aller chercher des financements pour financer le programme de travaux tel qu'il ressort du diagnostic. L'agence de l'eau finit sa programmation en 2024, et donc on peut aller chercher des aides à hauteur de 70% pour financer ces 4,5 millions de travaux. Si on ouvre le coche de la programmation qui s'arrête en 2024, on risque de ne pas avoir de subvention de la part de l'agence de l'eau. Donc, de 70% de subvention, on pourrait tomber à zéro. Et donc, finalement, financer ces 4,5 millions d'un coup, sans subvention. Donc, ça vient rajouter une opération au PPI. Ce qui fait qu'on est venu regarder un petit peu les capacités d'emprunt complémentaire que pouvait avoir ce budget annexe, on pouvait déjà emprunter 2,7 millions à redevance identique. On est venu regarder pour voir quel était l'apport pour la soif complémentaire qu'on pouvait avoir si on augmentait la redevance. Et si on a passé à une moyenne de 330 euros hors taxe, on pourrait améliorer notre capacité d'emprunt. Cette capacité d'emprunt serait de 885 000 euros jusqu'en 2030. Le premier tableau, c'est ce fameux PPI1 initial que vous avez voté, mis en place en 2017. Il est équilibré. La deuxième colonne, c'est le PPI dans sa deuxième version. Donc, on a rajouté 2 millions de travaux. On passe de 4 millions à financer à 6,5 millions. On a 1,7 millions d'emprunt possible en 2030. On a 2 millions d'épargne. On a 2,7 millions d'emprunt possible jusqu'en 2030. Un recours complémentaire à l'emprunt si on augmente la redevance, ce qui fait qu'il reste toujours à financer 1,2 million. Donc pour pouvoir accompagner ce PPI version 2, il faudra avoir un recours sur la redevance pour dégager des marges de manœuvre, pour pouvoir emprunter un peu plus, pour pouvoir financer l'opération. Mais il en manque encore un petit peu. Donc, troisième outil qui s'offre à vous, c'est la possibilité à ce que l'Interco sollicite un fonds de concours auprès des communes membres. Vous avez la possibilité, de façon dérogatoire, de mettre en place des fonds de concours si le montant des opérations des investissements était de nature à dénaturer le montant de l'assainissement. Et comme on ne peut pas, de la redevance, comme on ne peut pas l'augmenter à 200% d'un seul coup ou de 80%, ça viendrait totalement dénaturer le montant de la redevance, on a la faculté de pouvoir solliciter des fonds de concours des communes vers l'Interco selon nos opérations. Si on a mis une hypothèse de 30% du solde à financer en fonds de concours par les communes qui ont rajouté des opérations entre-temps, ça générerait 588 000 euros de recettes complémentaires. Et enfin, troisième version du PPI, la nouvelle opération pour Terrasson. Ça vient rajouter 1 613 000 euros de coûts complémentaires si on a les subventions. C'est plus 2,5 millions qu'il faut aller chercher en financement. C'est 3,8 millions jusqu'en 2030. Même chose, on a 885 000 euros d'emprunt complémentaire que l'on peut faire. Il manquerait donc du coup maintenant 2,9 millions pour pouvoir financer ce PPI intégral, je dirais. Là aussi, on vient projeter un fonds de concours à hauteur de 30% à l'encontre de la commune de Terrasson, 514 000 euros, ce qui fait que l'option redevance, emprunt
et fonds de concours nécessiterait toujours un soutien financier à hauteur d'un million huit. La projection a été faite avec une épargne du budget assainissement de 250 000 euros. C'est ce qui reste en caisse, souvenez-vous, pour autofinancer vos projets. On est parti regarder si on allait un petit peu obérer cette épargne. De 250 000, passer à 200. Quel est le recours à l'emprunt complémentaire? De 250 000 à 150 000 annuels. Quel est le recours à l'emprunt complémentaire? Au vu des taux qu'on a vu tout à l'heure, 4% et demi, 4,5% sur 30 ans, on aurait la faculté de pouvoir avoir un recours complémentaire à l'emprunt à hauteur de 1 600 000 euros. Et on se rapprocherait quasiment des 1,8 million du solde à financer. Ça signifie que si vous optez pour le vote de ce PPI intégral, l'initial plus les rajouts en 2020 plus le rajout en 2023, pour financer ce PPI intégral, il faudra avoir recours à de la redevance, de l'emprunt complémentaire et également une option fonds de concours. Et de baisser l'épargne prévisionnelle. Ce qui fait qu'en 2030, votre PPI serait assumé, réalisé, mais la dette passerait de 5 millions à un capital restreint en 2023 à un peu plus de 7 millions en 2030. Et là, on a la capacité de notre épargne, on la baisse à combien? À 150 ou à 200? 150. Et en augmentant à 330, c'est ça, on arrive à équilibrer tout ça. On peut servir des projets qui peuvent arriver, nous tomber sur la tête, entre guillemets, pour les coups d'œil, entre guillemets, quoi. Et qui, sinon, se retrouveront l'année suivante. Donc c'est possible dans ces conditions. Et donc, pour mener à bien ce projet, on a également fait la projection des moyens humains pour 2024. L'interco, c'est 25 ETP, donc répartis sur 28 agents, avec un prévisionnel du budget 2024 à hauteur de 1 210 000 euros en dépenses. Mais nous avons toujours des ressources associées au poste, PVD, ORT, l'habitat, l'urbanisme, France Service, ce qui fait que le coût net du personnel pour 2024 serait de 930 000 euros. Et enfin, vous avez le rapport à qualité en femme que vous avez tous pris connaissance, je suppose, et on va rester là. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, vous allez maintenir votre épargne, 250 000 euros annuels, tout en développant vos services. Parce que souvenez-vous, l'Interco en 2 ans est passé de 16 agents à 25 agents. Puisqu'on a créé des nouveaux services, 4 agents à France Service, 3 agents à l'habitant, on est venu renforcer le service ADS avec un collaborateur complémentaire l'année dernière, un médecin complémentaire au service administratif, et malgré tout, on détient le cap avec les résultats. Ça signifie qu'en fait, à ressources constantes, c'est que vos élus communautaires travaillent sur le volet dépenses et maîtrisent au mieux leurs dépenses de fonctionnement. Très bien, vous voyez, maintenant on va leur demander de réciter ce que tu as dit. Non, mais pour lui c'est un plaisir. Bon, des fois à nous c'est un peu plus long d'écouter, ça correspond à nos orientations. Alors moi, il y a deux questions, une explication et une question, disons. Vous avez vu qu'au niveau de l'économie, on avait 150 000 euros sur notre fonds et qu'on veut passer à 200. Pour autant, on en aura moins, car on a mis 50 000 euros dans le plan de rebond, revitalisation des papeteries. Donc on a mis 50 000 euros. De passer de 150 à 200, madame la vice-présidente, il ne vous reste pas plus. Et d'autant plus qu'on va vraisemblablement mettre sur un fonds des intercommunalités avec Périgord Initiative
2 euros par habitant, 46 000 de plus. Donc en fait, il va rester que 100 000. Et comme sur de l'immobilier d'entreprise, on monte jusqu'à 15 000, ça ne veut pas dire beaucoup de dossiers qui seront potentiellement aidés. Donc même si on est passé à 200 000, ça reste relativement modéré. Hein, ce qui est... ça, c'est la première remarque que je voulais faire. Deuxième remarque, toujours dans l'économie, quand je dis qu'il faut installer des entreprises pour des recettes, tu as bien expliqué qu'en CVAE, ça ne nous rapportait rien. Alors en CFE, par contre, ça nous rapporte un peu. Un CVAE, du coup, maintenant, on n'en touche plus. Les entreprises continuent à payer, mais c'est l'État qui la stocke et nous, on a un retour avec une dotation de TVA. Sur la CVE. Sur la CVE. On en installe ou on en perd, ça ne bouge pas. Tout à fait. Sur la CFE, sur la CFE, donc c'est soumis ben, à la base réelle d'imposition. Donc là, par contre, on peut l'installer. Vous pouvez l'installer, tout à fait. Mais les papeteries ne vont pas nous coûter autant qu'on pourrait le croire. Parce que la CFE des papeteries va diminuer de façon progressive. Pour l'instant, le bâtiment existe toujours. Donc la base de CFE n'a pas bougé pour l'instant. Et oui. Donc on ne va pas perdre de CFE, voire même en gagner par la chaudière. Et c'est que la CVAE qui restera stable. Ouais, et qui baissera. Mais, ouais. Donc il faut continuer à installer des gens. Et ceux qui sont les gagnants, c'est les communes par le foncier. C'était les deux trois précisions. Bon, y a-t-il des questions ou est-ce qu'il l'a assommé ? Moi, deux questions. Ouais. La première, sur le général, vous avez projeté là-dessus, mais vous savez que vous avez fait la commission. Et vous avez projeté la commission. Sauf que, en disant les documents que vous avez envoyés, il y a 250 000 euros qui certainement sont perçus en année 2004. Le financement du bureau d'études pour le PLUI. Donc il y a un peu d'argent à mettre, je pense, dessus. Bon, mais ça, c'est pour cette année, nous dit. Parce que cette année, on ne va pas dépenser des fonds. Alors là, je préfère parler sans micro, en élevant la voix, parce que c'est horrible. Et après, sur le budget annexe de l'assainissement, il faut qu'il réponde à cette première chose. Mon avis est pas. Et 250 millions du PFI, ce que je vais proposer, c'est qu'on a 1 million 7 de résultats remportés. On affecte 250 millions d'euros sur le PFI. Vous avez parlé de la loi C, vous parlez des dépenses qu'on a fait. Et donc, après la guerre, vous avez un résultat de 1 million 7 qui est sur 2, on passe à 1 million 7 qui est sur 2. Voilà, et c'est même l'inverse. Comme on ne les dépensera certainement pas cette année, on va encore en avoir. Oui, c'est quand même un débat, faire encore un intérêt budgétaire. Et enfin, il faut quand même signaler qu'il y aura une dépense budgétaire qui va inévitablement faire baisser la CAF quand on fera le CA de l'année 2020. Mais ça, c'est anecdotique. En revanche, sur le budget d'assainissement. Bon, ça fera baisser de 1,7 à 1,7 million. Oui, mais sur le compte. Non, ouais, mais comme on a un excédent. Ouais, comme on a un excédent qui est récurrent de 250 000, si on met 100 000 en 24, on n'aura plus qu'une CAF de 150. Qui viendra s'ajouter à 1,7 million qu'on a de CAF cumulé depuis qu'on a eu ça. Non, bien sûr. Non. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que là, vous parlez de CAF, moi je parle de CAF. L'épargne nette, c'est quoi? C'est la capacité de financement qui reste de la section de fonctionnement. Une fois que vous avez payé avec vos recettes de l'année, vos dépenses de l'année, il vous reste 250. Je ne parle même pas de 1,7 million aujourd'hui. Ah non, mais aussi. J'ai eu 250. C'est le résultat remporté. Cette année, on inscrit 250 000 euros PFI à dépenses d'investissement. En fin d'année, c'est de l'investissement qui fonctionne. C'est de l'investissement. On est au 205. Si l'investissement, on oui, c'est pour ça, ouais. C'est au 205. Je croyais que c'était du fonctionnement. Non, non. Le PFI, c'est de l'investissement. 205.
Donc le raisonnement n'était pas bon, c'est ce que je pensais. Mais en revanche, de toute façon, on a bien payé un jour. Et on sortira bien de quelque part. En revanche, sur le budget annexe de l'assainissement, moi je vais redire ce que j'ai dit l'autre soir en commission, avec les textes que j'ai en connaissance, pour faire des fonds de concours, il faut énormément de justifier. Mais énormément. Et je pense qu'on n'est pas dans les critères requis par les textes que j'ai dit. Après, vous avez dit que vous allez consulter un avocat, j'attends de voir ce que l'avocat va dire. Mais il y a un autofinancement dont on peut parler, qu'on peut, je pense, mobiliser, c'est le 1,7 million qu'on a, qui est tous les ans abondé sur la section de sur le budget général. On peut taper dans ce 1,7 million parce qu'on n'a pas de projet en face avéré. Et comme on en génère tous les ans, et il est de bon de mobiliser toutes ces ressources avant d'aller les chercher le président. Comme il y a très peu d'investissements sur le budget général, on fait de la casse tous les ans. Enfin, vous appelez vous l'épargne net, bon, c'est franchement avec ça. Et ton épargne net, c'est la même chose. Le raisonnement est le même. Le 1,7 million qu'on a, on l'abonde tous les ans. Donc il faut, je pense, dans un certain temps, mobiliser cette ressource. Principal. Oui, mais c'est du budget principal, on peut, avec des demandes de dérogation, abonder. Tout à fait. Mais je pense que la dérogation est plus facile à avoir. Mais on ne le souhaite pas. Eh bien, c'est. Moi, je ne sais pas. C'est là le débat. Ce qu'on veut garder, on ne veut pas être comme le département de la Dordogne dans quelques temps. Sauf que on ne générerait pas le plan net tous les ans, on en génère tous les ans. Au bout d'un moment, même la TPG, le TPG va dire qu'est-ce que vous faites de votre plan net, quels sont vos fonds. Il n'y en a pas. Après, faites ce que vous voulez, c'est plus qu'il y a la majorité. Non, mais. Vous ne me convaincrez pas. Je le dis tout de suite, ce n'est pas le bon débat. Je ne serai pas convaincu parce que votre histoire de fin de concours me paraît très difficile. En plus, je répète, je l'ai dit l'autre soir, discriminer les communes me paraît impossible. On ne discrimine pas les communes, puisque ce qu'on avait statué sur une redevance à 290 euros, c'était sur un PPI qui nous avait présenté. Or, le plan prévisionnel d'investissement apparaît de nouvelles opérations. Et on dit que les financer avec la redevance fixé à 290 n'est pas possible, et si on veut le financer que par la redevance, les termes disent qu'on peut faire des fonds de concours si le fait de déséquilibrer de façon, il y a un terme qui est subjectif, de façon notoire ou importante, le montant de la redevance. Voilà ce qui est dit. Donc c'est à nous à démontrer que le PPI 1, on n'a pas à demander de fonds de concours, puisque lui ne déséquilibre pas notre équilibre et notre redevance. Par contre, sur le 2 et sur le 3, c'est le cas. Mais c'est ce qu'on va demander, puisque dès que la commission s'est réunie, un certain nombre de gens travaillent dessus pour nous dire ce qui est légal ou ce qui n'est pas légal. Voilà. Le problème qu'il y a aussi, c'est que le pouvoir, on pouvait emprunter ce projet principal, même si on a fait la tête, mais on rassure, sauf qu'on ne peut pas emprunter pour donner le financement à l'UN. On pourrait. C'est pas de la bonne gestion, mais on pourrait. On pourrait, bien sûr qu'on pourrait, mais c'est pas de la bonne gestion. Quand au département, on emprunte, je ne veux pas rentrer trop là-dedans, 42 millions et qu'on en rembourse 35, je ne suis pas sûr que ça soit quelque chose qu'il faille faire. Bon, on n'est pas au budget, mais bon, après, chacun votera lorsqu'on présentera le budget. Ça peut se faire, mais on fragilise notre avenir.
pour voir les résultats. C'est tout. Et on pourrait faire, vu et est-ce que ça suffirait, ce que j'ai dit au début, vu les moments difficiles qui arrivent, tout en faisant ce qu'on fait, on préfère garder une capacité à résister à des moments qui seront difficiles. Et quoi qu'il en soit, est-ce que malgré tout, en cochant dans l'excellent, dans les excellents du juge général, est-ce que ça suffira tous les ans pour absorber le différentiel qui serait demandé via la fonction publique ? Pas sûr. Parce que 1667, bien sûr, ça ne vient pas dégrader l'épargne, puisque je veux dire qu'on ne peut pas prendre du coup de l'épargne. D'accord. Il dégradera l'excédent. Mais est-ce que ça suffirait tous les ans, est-ce que ça suffira tous les ans, malgré tout, pour combler ce résultat qu'on demande de l'obtenu via un éventuel fonds de concours ? C'est trop fort. C'est encore pire que pour le département, parce que le département ne réalise dans ses... qui a un budget d'investissement important, écoute-moi, je ne suis pas un financier, donc il faut m'écouter et dire si je dis des bêtises. Le département, lui, quand il prévoit 100 millions d'investissement, s'il n'en réalise que 50, il se sert des 50 qui restent en excédent pour équilibrer son budget de l'année suivante. C'est ce qu'il fait, hein, en permanence. Hein? Oui, mais c'est ce qu'il a fait cette année. Il a un budget 2024 que parce qu'il a réalisé que 57% de ce qu'il avait prévu au budget. Mais comme nous, on a très peu de budget d'investissement, on n'aurait même pas cette possibilité puisqu'on n'a que du fonctionnement. Et que le fonctionnement, c'est bien ça, je dis, je ne suis pas un financier, mais... D'accord. Mais nous, là, c'est pour ça que je préfère qu'on ait une certaine sécurité. Nous, on a dit, on le fait sur la PDR. Tous les ans, on reporte ce qu'on a financé, Et si on a un budget insincère où on en met beaucoup plus que ce qui est fait, ben, ça permet de... département, c'est ça. En son temps, j'avais analysé d'autres budgets que ceux du département et j'avais trouvé un peu le même mécanisme. Après, il y a un critère discriminant, puisqu'on parle de caractère discriminant. Le budget principal, c'est tous les administrés qui le payent, y compris ceux qui ne sont pas couverts par un assainissement collectif, et qui sont redevables d'une redevance d'assainissement individuel. Mais c'est dérogatoire aussi. Et j'ai demandé qu'on calcule. Ça, je n'ai pas les chiffres, que si on ne faisait pas le fonds de concours, à combien il faudrait passer la redevance pour tout le monde. Et tu m'as dit qu'il fallait passer à 500 ou 600, je crois. Non ? Ça, tu ne m'as pas répondu exactement. Il faut augmenter au moins de 50%. Et c'est ce ça qui va nous permettre de faire des fonds de concours. En disant que ça détériorerait de façon notable notre équilibre, si c'est pour ça qu'on a le droit de prendre beaucoup. Bon, non, mais on vous exposera les différents scénarios, des scénarios. On a déjà pas mal avancé dans les calculs. Bon, on va terminer cette partie orientation budgétaire. Moi, je remercie Nicolas, mais pour lui, c'est un plaisir. Quand on veut être gentil avec lui, on lui donne des chiffres et on lui dit amuse-toi, il adore. Ah. Et si on le prive de s'occuper des chiffres, elle aime pas. Bon, plus de questions là-dessus ? Alors, il y a quelque chose de nouveau encore. Alors ça, sur les orientations budgétaires, on prend acte.
Il n'y a pas de vote. Hein. Donc, vous prenez acte. C'est un débat. Vous avez acté la tenue du débat et vous avez acté la présentation du rapport égalité femmes. Deuxième dossier, c'est... Qui c'est qui le présente? C'est Roland, hein? Adaptation du règlement budgétaire et financier, quelque chose de nouveau. Je vais vous le lire, hein, parce que... Donc c'est par délibération du 28 juin 2023, la communauté de communes a adopté donc le référentiel M57. Hein, il y a peut-être des communes qui sont déjà à la M57, applicable depuis le 1er janvier 2024. Pour le budget principal et pour le budget des zones d'activité. Donc l'élaboration d'un règlement budgétaire et financier pour la durée du mandat devient désormais obligatoire pour les collectivités de plus de 3500 habitants et optionnel pour celles de, je suppose, de moins de 3500. Celui-ci a pour objectif de fixer les principales règles et procédures auxquelles la collectivité se conforme et les faire connaître avec exactitude pour créer un référentiel commun. Le règlement budgétaire financier est adopté par l'Assemblée délibérante pour la durée du mandat et ne peut être révisé que par elle. Donc, dans ce document, on retrouve les principes budgétaires et les grands principes comptables, le cadre de l'exécution budgétaire et comptable, la gestion de la pluriannualité, autorisation de programme, les AP et les autorisations d'engagement. Voilà. Donc, il vous est proposé d'adopter cette nouvelle comptabilité, ce nouveau référentiel M57, qui, bon, en soi, n'est pas une grande... un peu plus analytique, on va dire. Un peu plus détaillé. Bon, ce qui peut être un avantage pour... Oui, ah ouais, le FCTVA, il n'y a plus besoin de le calculer. C'est eux qui nous envoient. Et... Ouais, ouais. Bon. Voilà, donc est-ce que tout le monde est OK pour... Enfin, qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Je continue et je finis. Il y a l'autorisation d'engagement et de liquidation, vous le savez, et le mandatement des dépenses d'investissement pour l'année à venir. Ça va concerner uniquement le budget assainissement. C'est un autre que j'ai. C'est une facture, alors ça concerne, vous savez, le droit à 25% d'engagement, enfin d'engagement de dépenses avant le vote budget. Là, ça ne concerne que le budget assainissement pour une petite somme de 1601,46 € sur hors taxe. Bon, le montant est bien sûr inférieur au total des dépenses d'investissement du budget 2023. Donc il vous est proposé d'autoriser le président à mandater cette facture. Je pense que vous n'avez pas d'inconvénient pour 1600 €. Y a-t-il des objections? Tout le monde est OK? Merci. OK. Donc tout le monde a voté. Le prochain dossier, c'est la prime de pouvoir d'achat exceptionnel et forfaitaire. Donc, on a déjà dit en conseil communautaire que c'était une façon de faire qui, moi, me posait quelques problèmes de décider à certains d'attribuer une prime forfaitaire et de la faire payer par les collectivités. Puisque, bon, d'abord, c'est un peu gênant. Deuxièmement, je trouve que c'est pas juste, parce que certains l'ont, d'autres l'ont pas. Et que dans les collectivités, aucune fait pareil. Et que le département, qui se veut quand même social, donne la plus basse des primes. Alors qu'un certain nombre de collectivités
qui ne tiennent que par le financement du département mettent au maximum. Donc c'est, à mon avis, assez incohérent. Donc nous, on a fait de l'équilibrisme là aussi. On ne donne pas 100%, on donne 50% de ce qu'on peut donner à ceux qui ont le droit, mais à tous ceux qui ont le droit. Le département, lui, a raboté à ceux qui ont des salaires un peu plus importants, mais qui auraient pu y avoir droit. Donc on le donne à tous ceux qui ont le droit, et on leur donne 50% du maximum, ce qui veut dire que ceux qui ont, ça varie de 400 euros à 150 euros, et c'est donné une seule fois. Par contre, on a compensé par l'attribution du CIA qui, à peu près en moyenne, redonne l'autre moitié. Si ce n'est que pour les agents, le CIA est pérenne tous les ans, alors que la prime, elle est qu'une fois. Vous pouvez m'écouter ? Si je dis des bêtises, il faut... J'ai pas dit de bêtises ? Tu sais pas, alors t'as pas écouté. Hein. Ouais, t'as rien écouté. Donc j'ai dit qu'on donnait 50% hein, de ce qu'on pourrait donner, et on a rajouté le CIA, qui en moyenne correspond à peu près encore à l'autre moitié. Voilà, hein, des gens éligibles. Voilà ce qu'on a fait, qui est, tout est critiquable, mais bon, voilà comment on a fait. Y a-t-il des remarques ? Ça représente quel montant pour l'ensemble du personnel ? 80 000. Non, ça c'est quoi ? Combien ? Non, mais pour l'ensemble, ça coûte bien plus de 6 000 euros. C'est quoi Ah ben ouais, ben c'est parce qu'il y en a 100 là-bas. Ouais. Ah ouais. Donc là, ça fait que 6 000. Ouais. Ok. Je croyais que c'est plus. Ouais. Les 40 000, c'est aussi à 100. C'est ça. Ah, ok. Et le CIA, c'est pareil. Hein. Ça va coûter à peu près pareil. Ouais, donc ça fera 12 000 si ça fait 2 fois 6 000. Et le CIA, ça va coûter combien ? Et j'entends rien. 10 000 ? Le CIA ? Le CIA ? Ou l'addition des deux ? Le CIA, 10 000, et ça, 6 000. Donc ça fait 16 000. Ouais, ça devient un peu plus déjà. Ouais. Et le CIA, c'est tous les ans qu'il y aura 10 000. Y a-t-il des remarques ? Oui, c'est ça. Bon, qui est contre, qui s'abstient, bon, je vous remercie pour les différents agents qui y touchent. Alors après, Jean-Jacques, bon, je vous fais super. Donc l'objet, c'est le mandat au CDG 24 pour lancer une consultation pour la conclusion d'une convention de participation dans le domaine de la prévoyance. Donc la réforme de la protection sociale complémentaire rend obligatoire la participation financière des employeurs publics au financement des garanties couvrant le risque prévoyance de leurs agents à compter du 1er janvier 2025. Donc la prévoyance ou garantie maintien de salaire couvre les risques liés à l'incapacité de travail et le cas échéant, tout ou partie des risques d'invalidité est lié au décès. Donc l'accord collectif national du 11 juillet 2023 portant réforme de la protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux prévoit que l'employeur doit contribuer à hauteur de 50% minimum de la cotisation payée par ses agents. Cette participation doit se faire par le biais d'un contrat collectif à adhésion obligatoire dont les garanties doivent prévoir à minima
un médian de 90% du salaire net en cas d'incapacité temporaire de travail et d'invalidité permanente. Le dispositif réglementaire prévoit donc deux possibilités pour les collectivités, exclusives l'une de l'autre, s'agissant de la couverture prévoyance. La mise en place d'une convention de participation conclue par les collectivités effectuant sa propre mise en concurrence, l'adhésion à la convention de participation proposée par le centre de gestion. Donc dans les collectivités territoriales employant moins de 50 agents et rattachés au comité social territorial, donc au CST, du code, c'est le centre de gestion qui est compétent pour négocier et conclure un accord qui doit ensuite être approuvé par chaque collectivité qui souhaite adhérer au contrat. En clair, on peut prendre la décision ce soir, mais une fois qu'on aura les résultats, on peut ne pas prendre cette adhésion. C'est juste pour participer à la consultation. C'est juste pour participer à la consultation et voir un petit peu à combien ça nous reviendrait. Hein? Donc, les centres de gestion ont en effet l'obligation de conclure une convention de participation pour le compte des collectivités et établissements de leur ressort qui le demandent. Voilà. Des questions? Donc on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Bon, merci. Monsieur le Président, je vous repasse le... Mais on donnait déjà 10 euros et 15 euros, je crois. Mais... Ah, c'est ça. Bon, ça a été voté. Après, au niveau de l'économie, il y a une subvention qui a été annulé parce que les investissements n'ont pas été faits, c'est pour un resto, le Clos du Moulin à Terrasson. Des remarques? Donc, pour annuler la subvention, si personne n'est contre, personne s'abstient. On remercie. Alors, aménagement. Alors ça a été dit tout à l'heure, puis ça a alimenté le débat. Tout le monde m'a dû entendre, et en commission et ici, dire que j'étais pas forcément pour donner beaucoup de latitude à un bureau d'études, que je préférais qu'une partie soit faite en régie. Après discussion avec les services et après que notre PADD soit quelque peu discuté par les services de l'État, on pense qu'il va falloir s'entourer de gens qui seront censés être un peu plus neutres que nous et avoir suffisamment d'arguments pour pouvoir négocier encore des terrains constructibles. Donc on lance une consultation, je vous propose de lancer une consultation pour se faire aider par un bureau d'études. Cette semaine, on a eu une réunion à l'Union des maires avec tous les présidents d'Interco et on a décidé d'avoir une position commune assez offensive par rapport à l'application assez stricte de lois qui n'ont même pas eu les décrets encore pour l'instant, que ce soit Lausanne, que ce soit un certain nombre d'éléments, et d'autant plus, on a eu aussi la sous-préfète, et j'ai revu le préfet qui ouvre des grands yeux et qui ne comprennent pas que nos services, et je remercie M. Malot d'y avoir beaucoup travaillé là-dessus, d'avoir trouvé qu'entre 2010 et 2021, on avait consommé un peu plus de 500 hectares. Ah, pareil, si je dis des bêtises, vous me coupez. Et qu'eux, ils n'envoient même pas à la moitié de consommer. Et eux, ils se basent sur des
Stat, INSEE, CEREMA et compagnie, et ils ouvrent des grands yeux. La sous-préfète et le préfet, ils ne comprennent pas que notre analyse à nous, et je suis sûr qu'elle est réelle, soit le double de celle qui est prise en compte par les services de l'État. Voilà, donc on doit avoir une réunion là-dessus pour savoir si on ne s'est pas trompé, mais je ne crois pas. Et à partir de ça, on verra bien ce que la DTT pour la partie État est prêt à faire comme accord avec nous. Et à la réunion de l'Union des maires, il a été aussi très visé la région qui est sur la même position par le Stradet que l'État pour faire de la sobriété foncière. Voilà pourquoi on est en train de se muscler un peu à côté de nos services et que je vous propose de lancer une consultation au bureau d'études, ce que je n'avais pas totalement souhaité au début. Y a-t-il des remarques? Et il n'est pas dit qu'on ne prenne pas un avocat, soit collectivement l'ensemble des collectivités avec l'Union des maires, en partie. Pas de remarque, qui est contre, qui s'abstient, donc c'est adopté. Déclassement de la voirie de Guignassou, Stéphane, tu nous la résumes. C'est dans la zone d'activité de Guignassou que pour répondre, je ne vais pas le faire, mais pour répondre à la demande d'une entreprise, on a lancé. Oui, donc en fait, dans la zone d'activité d'intérêt communautaire, qui est la zone de Guignassou qui s'étend sur la commune de La Feuillade et de la commune de Pazaillac, il y a la voirie qui dessert l'ensemble des lots avec un bout de sa parcelle qui était en impasse, qui est entre deux lots. Qui aujourd'hui est racheté par une des entreprises qui est installée, qui est l'entreprise Kioti France, avec une dizaine d'emplois à terme, parce qu'aujourd'hui ils sont 7 employés, et ils vont en offrir 3 autres de plus. Et ils devaient construire un bâtiment supplémentaire, mais qui allait, pour respecter le PLU de Pazaillac, et pour respecter aussi les distances par rapport aux voisins, devait être construit également sur cette partie de voirie. Aujourd'hui, cette partie de voirie n'est pas utilisée du tout pour de la voirie. C'est de la base, c'est vraiment du stockage lié à cette entreprise-là. Et donc, il est proposé donc, de le vendre à cette entreprise-là et de lui donner, de lui permettre de se développer et donc création d'emplois supplémentaires et surtout le maintien de cette activité. Parce qu'ils ont déjà acheté des terrains. Donc, ils ne peuvent pas se développer et après on risquait de partir. Quand on les a rencontrés avec M. le Président et M. le maire de Pazaillac, il y a un... Très bien, c'est ça. C'est pour pérenniser cette entreprise et la faire se développer. Voilà. Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, il y a la consultation de tous les collectifs. Ils ont reçu une lettre commandée pour voir s'ils étaient opposés à ce projet-là. Et il y aura, dès qu'on aura le retour, une enquête publique pour informer toutes les personnes, et après, il y aura la mise en vente à la société Kioti. Et Kioti achète des terrains de part et d'autre. De part et d'autre, il achète des terrains pour se développer. C'est pas à nous, il achète à un particulier. Mais le terrain en face, ouais, là, il nous achètera juste le parti de voie. Ok, nous, c'est juste la voirie. Il achète deux terrains. D'ailleurs, dans cette zone de Guignassou, ça bouge pas mal. Puisque Coste, bon, c'est presque fait, Francine. Là, c'est pas encore fait. Le 11 mars, bon, ça va pas tarder. Donc, il y a la fameuse boîte Chimirec qui aura signé le rachat et le développement en emploi d'une entreprise. Voléon à côté des projets. Oui, et il y a celle qui est chez Froidefond, qui
qui aussi a des projets de développement. Donc, dans cette zone, tous ont des projets de développement, soit in situ, soit éventuellement ailleurs. Mais pour que ce soit ailleurs et dans la Comcom, il faut qu'on ait du foncier. Donc là, on est en train de se faire des nœuds au cerveau, c'est quand même compliqué. En ce moment de crise où on voit des défaillances d'entreprises, que notre souci, c'est de trouver des endroits pour les installer quand ils veulent s'installer chez nous. C'est quand même assez terrible qu'on en soit à pas pouvoir y arriver. Voilà. Alors, donc, pour l'alignation de cette voirie, personne n'est contre, personne ne s'abstient, donc c'est OK. Alors, diagnostic archéologie. Alors, ça, c'est encore un autre problème. On va le faire à deux voix avec Stéphane. Bon, donc, c'est sur Tenon. Au lieu dit Bellevue, où là on a acheté 4 hectares, c'était pour faire une zone artisanale, et on a commencé à déposer un permis d'aménager. Et à notre grande surprise, puisque pour poser un permis d'aménager, il faut que toutes les administrations, dont la DRAC, donne son avis, on a dit, oh là, là, c'est sensible au niveau archéologique, et on vous prescrit un diagnostic archéologique. Ça veut dire que c'est bloqué. Pour faire le diagnostic, il n'y a pas 36 personnes qui le font, ça peut être soit le service archéologique du département, mais ils sont complètement dépassés, ils nous ont dit, on ne peut rien faire avant un an, soit vous voyez avec l'INRAP, qui peut vous le faire. On a contacté avec le soutien du service archéologique du département l'INRAP, qui a dit on peut vous le faire dans quelques mois. Et ils ont tenu parole, puisqu'ils viennent de nous donner une convention à signer pour lancer le diagnostic. Donc je crois, et là c'est pas très net, pour nous c'est globalement gratuit, globalement, parce qu'il y a la clôture, il y a toujours quelques bricoles qu'il va falloir qu'on prenne en compte. Mais c'est gratuit. Voilà, donc c'est gratuit puisque c'est dans le cadre du dépôt d'un permis d'aménager. Donc le diagnostic, comme la superficie de la zone dépasse plusieurs hectares, donc on était obligé de consulter la DRAC. On ne les consultait pas, c'était une faute de procédure. Donc de toute façon, et ils pouvaient s'auto-saisir si on ne faisait pas. Donc là, on est soumis à un pré-diagnostic archéologique. C'est-à-dire qu'ils vont faire des fouilles, ils vont sonder le terrain à différents endroits, voir s'ils découvrent quelque chose. Et s'ils découvrent quelque chose, il y aura peut-être des fouilles archéologiques. Donc là, on part sur une année de fouilles. Et les fouilles, c'est nous qui les payons, c'est le cas. Alors les fouilles, après, ça sera à nous de les payer. Ouais, et il y en a pour une fortune, ce qui veut dire que si c'est le cas, le terrain, on le laisse pour les moutons et pour les vaches. On a des collègues au niveau du département qui ont ce genre de choses. Il y en avait pour 800 000 euros pour un ou deux hectares. Donc la zone d'activité s'est arrêtée. Voilà. On croise les doigts pour qu'ils ne trouvent pas grand chose. Parce que ça, on l'a acheté. Par contre, autour de Mademoiselle Dessert, on envisageait d'acheter 7 hectares. Là, il y a eu des négociations avec les propriétaires. Et on n'achètera que si ces terrains sont compatibles avec des activités économiques sur ces 7 hectares. Mais ça, pour l'instant, on est en train de poser le permis d'aménager. Ils vont nous prescrire, parce qu'on leur a déjà demandé, si on dépose le permis d'aménager, est-ce que vous allez prescrire un diagnostic archéo? On nous a dit oui. Alors, autant qu'on le sache
dès maintenant et on dépose le permis d'aménager et on verra. Mais ça, alors d'un côté, sobriété foncière, on peut rien faire. L'autre côté, on a acheté un côté, on était prêt à acheter, on a dit faites rien. Et on a des entreprises qui veulent s'installer chez nous. Non, mais, je ne sais plus. Hein. Et l'État paye pour des bureaux Ernst & Young, paye LHH et met des millions pour revitaliser le territoire. Si on ne marche pas sur la tête, je ne sais pas ce qu'il faut. Hein. Bon, je ne sais pas si j'ai bien fait de dire ça, parce que j'aggrave peut-être mon cas, mais bon. Alors, il faut accepter ce diagnostic archéologique pour essayer de s'en sortir. Qui a quelque chose à dire? Qui s'abstient? Qui vote contre? Allez, le diagnostic archéologique est parti. Alors, maintenant, on est aux ajouts. Bon, il y a un certain nombre aussi d'attributions d'aide dans le cadre de l'EOPA qui ont été pris concernant notre règlement d'intervention. Romain, il n'y a rien d'anormal. Il y a là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dossiers qui vont entre 2000 et 3000 euros d'aide qui ont été donnés. Bon, je vous en ai informé, je crois que c'est ce que je dois faire, c'est tout. Bon, okay. Alors, il y a la motion de soutien aux agriculteurs. Ben, vous avez vu qu'en ce moment, les agriculteurs se font entendre. Jean-Marie Chancois. Oui, comme vous avez pu le constater, on a eu les dernières semaines la révolte du monde agricole. Que ce soit au niveau national ou dans de nombreux pays d'Europe. Cela fait suite à un ras-le-bol qui dure depuis un certain nombre d'années. Une agriculture qui est devenue la variable d'ajustement lors des échanges de négociations commerciaux, notamment sur les marchés de libre-échange. Des distorsions de prix entre les pays de l'Union européenne, parfois énormes. Un non-respect de la non-égalité. C'est une loi qui devait apporter du revenu aux agriculteurs, mais qui devait permettre à la grande distribution de baisser ses marges, et pour l'instant, ça n'a pas été fait, ou la loi a été détournée. Des lobbies écologistes qui ont gangréné le Parlement européen et qui obligent les agriculteurs à produire toujours plus blanc que blanc. Mais je pourrais vous en annoncer d'autres aussi. Alors, des annonces ont été faites par le gouvernement, et maintenant les agriculteurs attendent des actes rapides et concrets, sans quoi les mobilisations vont reprendre. On a eu hier une réunion avec le préfet. Dans beaucoup de départements, les préfets ont reçu les syndicats et la grande distribution. Et il y a des avancées sur la loi Egalim qui ont été des promesses qui ont été faites. Mais je vous rappelle que 380 000 agriculteurs, c'est 2,5 millions d'emplois indirects en France. C'est une part importante de l'économie. C'est pour ça que je vous propose je vous propose cette motion de soutien aux agriculteurs et à l'agriculture. Voilà, je crois qu'elle est affichée, non ? Voilà, je vais vous la lire. Depuis plusieurs années, l'agriculture française souffre d'une situation économique et sociale dramatique, mettant en danger la pérennité des exploitations. Nos agriculteurs veulent simplement vivre de leur travail, avec des prix justes. Ils veulent que les pouvoirs publics aient les mêmes exigences sur la qualité sanitaire et environnementale des produits importés que celles qui leur sont imposées. Ils veulent avoir les moyens de protéger leur culture, leur cheptel des aléas, faute de quoi ils ne pourront plus nous nourrir. Ils veulent consacrer leur temps à travailler la terre, à s'occuper de leurs bêtes, plutôt qu'à remplir des dossiers. Ils veulent que l'on cesse de les accabler de normes et de règles, et que l'on cesse de les prendre pour des tricheurs par des contrôles réguliers. Ils veulent que l'on respecte leur travail et qu'on reconnaisse les efforts qu'ils ont consentis pour protéger la nature, plutôt que de les montrer du doigt. Alors le Conseil communautaire est unanime, je l'espère, pour défendre nos agriculteurs et notre agriculture française. Voilà, merci. Si vous avez des remarques à faire, vous pouvez les faire. Thank you.
fait sont dépassés par rapport à ce qu'on sort sur le soutien aux agriculteurs sur lesquels je suis d'accord, simplement sur l'ensemble de la population. Il ne faut pas oublier quand même qu'il y a eu depuis le début de l'augmentation agricole un extraordinaire grand nombre de réponses du gouvernement qui a travaillé sur l'agriculture par les deux et qui a déjà apporté des réponses concrètes. Et je trouve aujourd'hui que source s'associer à ces agriculteurs, voire reprendre les revendications initiales de ces agriculteurs, je trouve que c'est un peu dommage. Oui, des promesses ont été faites. Alors sur le GNR, d'accord, c'est effectif. Mais pour le reste, ce ne sont que des promesses, donc on attend les actes. Il y a aussi de l'argent qui va commencer à être les aides PAC ont été réglées, c'est exact, c'est pour ça que... Mais je vous conseille de prendre cette motion dans vos communes, si vous le souhaitez. C'est le moins qu'on puisse, c'est le moins qu'on puisse faire. Moi, je pense pas. Est-ce que quelqu'un s'abstient, est-ce qu'on prenne cette motion? Quelqu'un est contre? Bon, je vous remercie. Oui. Quand le gouvernement aura répondu à vos attentes. Attends un peu. Bon, la motion est donc adoptée à l'unanimité. Toujours dans le monde agricole, alors on a un protocole pour les subventions avant le vote du budget, elles n'ont pas été encore regardées, mais les JA, les jeunes agriculteurs, sont venus me voir pour m'indiquer que cette année, Terre en Fête, qui est la fête départementale des agriculteurs, aura lieu à Hautefort. Et m'ont demandé une subvention. Bon, ils font souvent un certain nombre de manifestations qui sont réussies, puisque les JA de notre territoire sont très dynamiques. C'était la fête de l'ensilage, la terrasson, c'était la foire au veau, enfin, c'est un certain nombre de manifestations. Donc il y a une demande de 10 000 euros pour l'ensemble des manifestations et notamment de Terre en Fête qui a un budget assez important et auquel 20 à 30 000 visiteurs passent dans cette journée de Terre en Fête. Voilà, donc je ne sais pas, puisqu'ils sont en train de préparer leur budget et ils voulaient avoir plutôt une réponse. Donc j'ai dit que je proposerais une subvention de 10 000 euros, vu que c'est la fête départementale et qu'elle a lieu chez nous. Y a-t-il des oppositions et qu'elle sera revotée après en commission d'association? Pas d'opposition, pas d'abstention. Voilà, je vous remercie. Le syndicat d'énergie, ça a été dit tout à l'heure, donc Lionel, tu peux peut-être en parler. Oui, juste deux mots. Aujourd'hui se pose un petit problème puisque les communautés de communes n'adhèrent pas au SDE 24. Donc, ceci dit, les communes ont transféré aux interco dans la plupart du temps les zones d'activité et aujourd'hui sur les zones d'activité se trouve notamment de l'éclairage public. Or l'éclairage public est référencé au SDE puisque ce sont la plupart du temps, même toujours, les communes qui l'ont mis en place, qui l'ont payé, qui continuent à payer la redevance au point lumineux et qui continue à payer l'électricité puisque le comptage est au nom de la commune. Alors, il y a des intercos qui remboursent les communes, je ne crois pas que ce soit le cas chez nous pour le moment, mais en tous les cas, il faut régulariser les choses et il n'est pas normal que ce soit les communes qui supportent les frais de fonctionnement de la zone d'activité.
il est logique que ce soit l'intercommunalité qui en ait la charge. Donc, surtout que les voiries ont été transférées, voilà. Donc, le SDE a modifié ses statuts de façon à ce que les communautés de communes puissent d'ores et déjà adhérer au SDE et ensuite qu'il y ait un transfert de patrimoine entre la commune et l'intercommunalité, et de fait, comme la compétence éclairage public est exercée par le SDE 24, eh bien, effectivement, c'est le SDE 24 qui continuera à entretenir, à gérer le parc d'éclairage public. Mais c'est l'intercommunalité qui paiera, bien sûr. Voilà. Alors, ça va nécessiter quelques modifications, parce que quelquefois, il y a des comptages qui servent et à la commune et à la zone d'activité. Donc, il va falloir, je dirais peut-être à certains endroits, rajouter des comptages spécifiques pour les zones d'activité. Donc, il y a tout un travail de diagnostic à faire. Et en tout état de cause, mais ça ne devrait pas poser de problème pour notre communauté de communes, parce que toutes les zones d'activité qui ont été transférées à l'intercommunalité et qui sont équipées d'éclairage public sont déjà des points lumineux qui sont référencés au SDE 24. Ce qui n'est pas le cas dans toutes les intercos, puisqu'il y avait des zones d'activité, notamment à Périgueux, qui avaient été faites par la ville de Périgueux, qui n'adhère pas au SDE, donc les luminaires ne sont pas dans le parc du SDE. Et là, il va y avoir un état des lieux, parce que le SDE ne souhaite pas intégrer dans son parc des luminaires qui sont obsolètes, vétustes et qui nécessitent effectivement d'être remplacés. Mais pour notre communauté de communes, je suis assez confiant, parce que ce soit à Terrasson, à Pazaillac, notamment sur les zones d'activité historique, il y a du matériel d'éclairage public qui n'est pas très vétuste, hein, puisque ça a été renouvelé, et de toute façon, tout est déjà dans le parc du SDE, donc il n'y aura pas de problème. Néanmoins, le SDE fera effectivement un diagnostic préalable pour le transfert de biens voilà, vers le de la commune à l'interco et donc au SDE. Voilà. Donc, ce qui est proposé ce soir, je ne sais pas si je le fais, Dominique, voilà, donc c'est est-ce que vous êtes favorable à adhérer effectivement au SDE 24? Est-ce que la communauté de communes, donc, adhérerait au SDE 24? Voilà. Est-ce que vous êtes. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que. Alors, dans l'immédiat, ça ne concernera forcément que les zones d'activité, hein, bien sûr. Hein. Il n'y a pas d'abstention, pas d'opposition. Bon, mais écoutez, je vous remercie. Voilà. Et dernier point, alors c'est récent, il y a une association terrassonnaise, c'est les Eagles of the Road, qui envisagerait de faire l'animation sur le territoire, peut-être dans les communes qui ne sont pas les plus petites, et sur lesquelles il y aurait des marchés de producteurs, d'artisans locaux, et où ils vendraient des accessoires pour les motos. Alors c'est peut-être une idée originale, intéressante, puisque les motards qui participent à ça, c'est souvent des gens qui ont quelques années et soit un peu d'argent, donc ça pourrait être un projet d'animation touristique économique sur le territoire. Donc je leur ai dit que la communauté de communes, en fonction si ça irrigue l'ensemble du territoire, pourrait les accompagner financièrement, mais à ce moment-là, il faudra que les communes qui sont intéressées, mais il peut y en avoir 3-4 par an et en tournant, le fasse savoir à l'interco, et que notamment s'il y a besoin d'une salle des fêtes, s'il pleut, ben, qu'elle soit donnée gratuitement à cette asso. Voilà, c'est une information que je vous fais passer. Mais c'est vrai où il y a ces concentrations de motos qui sont nationales, ça peut amener de l'animation. Voilà, à la bachellerie, quand il y avait les concentrations de motos,
Ouais, 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 mais il y avait du monde. Ouais. Je sais pas, ils en ont refait cette année à Azra. Pendant 2 jours, ça s'est plutôt bien passé. Voilà, hein. Voilà, et puis il y a pas mal d'assauts dans le coin de moto. Voilà, bon, je crois qu'on en a presque terminé. S'il n'y a pas d'autres questions, Nicolas, c'est terminé. Si vous n'avez rien à dire, je n'ai plus qu'à vous remercier. Alors, attendez, s'il y a autre chose, qu'est-ce qu'il y a le 8 mars? Non, ça ne se fait pas. Alors, le 8 mars, il y a la journée des secrétaires, c'est ça? Alors, le 8 mars, il y a une réunion du SCOT au ZESI. Tous les élus sont invités. Tout le conseil communautaire est invité le 8 mars au ZESI pour vous expliquer un outil de torture de plus qui s'appelle le SCOT. Et qui sera encore quelque chose qui va se rajouter à tout le reste. Le 18 mars, après-midi, elle n'aura pas lieu? Ah bon. La réunion avec les secrétaires n'a plus lieu? Bon. Je suis au courant de rien dans cette communauté de communes, c'est terrible. Par contre, le 18 à 18h30, il y aura une réunion, et c'est, je crois, au Lardin, concernant la convention culturelle. Et là, il y a certains... Alors, elle est signée Bourra Bousquet. Et ça s'adresse à des communes qui ne sont pas des fois dans le canton Terrassonnais, donc canton au Périgord noir, qui sont du canton Terrassonnais. Donc, on m'a appelé en disant, t'as annexé l'autre canton. Non, je n'ai pas annexé ni Francine, l'autre canton. Mais... Voilà, et t'es arrivé, je t'avais dit que t'allais arriver, tu vois. Ouais. Voilà. Signé des quatre. Voilà. C'est ce que j'ai dit à ton fonctionnaire, que je n'avais pas annexé ce canton. Voilà, donc les communes de Conda, La Cassagne, La Feuillade, La Dornac, les Coteaux Périgordais, Pazaillac et Terrasson. Ah mais tu peux parler. Omer, quand vous connaissez des associations, bon là il y a des associations de vos territoires qui vont être invitées pour cette réunion concernant les contrats d'initiative culturelle concertée. Mais si vous connaissez des nouvelles associations dont nous n'aurions pas connaissance, et dont les services n'auraient pas connaissance, parce que ça peut arriver aussi, faites-leur passer l'information, dites-leur que s'ils veulent venir, qu'ils viennent écouter ce qu'on a à leur dire, ce que c'est que les cibles, et comment ça fonctionne, et ce à quoi ils pourraient éventuellement prétendre en fonction du dossier qu'on pourrait déposer. Donc, je vais demander dans l'invitation que ça soit rajouté, je ne pense pas que ça n'ait été rajouté, mais je compte sur vous. S'il y a des nouvelles associations, vous faites passer l'information. Et ne vous inquiétez pas, le canton du Haut-Périgord n'a pas annexé la partie terrassonnaise du canton terrassonnais.